Bonjour à tous. Bienvenue déjà à la Startup Academy et à cette formation 10 jours pour devenir Community Manager. Je suis Sorel Newman. Donc je pense que j'ai interagi avec beaucoup d'entre vous, du moins tout le monde. Et aujourd'hui, on va commencer notre premier jour de formation. Donc comme vous voyez mentionné, c'est jour 1. Et chaque jour, c'est comme ça qu'on va évoluer. Je rappelle que cette formation, elle est beaucoup plus pratique. Parce que le community management, c'est la pratique. On ne va pas passer le temps à bavarder. C'est pourquoi je vais vous inviter souvent à faire quelques petits exercices. Donc, les prérequis d'abord. J'ai envie d'insister sur un truc. On ne paye pas une formation si on se dit on n'a pas le temps. Donc, si on n'a pas le temps, mieux on ne fait pas une formation. Parce que ça ne sert à rien de venir payer pour une formation et tout le temps sortir des excuses. Je n'ai pas pu faire ça, je n'ai pas pu faire ça parce que voilà les enfants, voilà j'ai des occupations. Non, on ne dépense pas son argent comme ça, pour rien. J'insiste dessus. Pendant 10 jours, ça sera très pratique. Très pratique. Et quand je dis pratique, c'est genre, on va travailler de 10h à 14h07, mais vous allez rentrer avec du travail. Et ça va vous permettre de ressentir ce que c'est ce métier. Parce qu'on a tendance à croire que, vu que c'est un métier qui est digital, on n'a pas forcément besoin de trop d'efforts. Pourtant, c'est le contraire. Tout le temps, nous sommes sur les téléphones, tout le temps, nous sommes sur les machines et c'est le cerveau qui travaille en fait. Et vous allez constater. Donc, j'ai mis 10 jours spécifiquement avec des trucs qui vont vous aider durant toute la formation et du moins toute votre communication pour ceux qui ont des entreprises ou alors pour ceux qui veulent se lancer pour pouvoir évoluer dans des secteurs divers. Ceci dit, j'insiste sur le fait que lorsque je donne un exercice, le prérequis pour entrer dans la salle-ci, le lendemain, c'est d'avoir fait tous les exercices. Qui n'y ait pas eu énergie, qui n'y ait pas eu quoi dans votre quartier, ça ne me concerne pas. Quitte à ce que vous arrivez ici tôt. Parce que si vous ne faites pas ces exercices, moi je vous mets dehors, tranquillement. Je comprends que vous ne voulez pas évoluer avec nous. Donc ceux qui ont souvent les excuses, moi je ne prends pas ces excuses-là. Parce que dans ce métier, on n'a pas d'excuses. Le client ne va pas comprendre que vous n'aviez pas d'énergie. Pire encore, vous n'aviez pas de connexion. On va voir tout ce qu'il faut pour travailler dans ce secteur. Et du coup, si vous, à votre niveau, au niveau de la formation, vous n'arrivez pas à mettre ça dans votre cerveau, ça va quand même coincer à un moment donné. Et surtout, c'est que vous voulez faire de ça votre métier. Bon, moi, je vais finir en disant que je suis Sorel Newman, Community Manager ici à la Startup Academy. Et je pense que c'est un monde déjà trop vu. Surtout ceux qui sont membres. Donc du coup, c'est ce que j'exerce au quotidien principalement. Mais à la base, je suis ingénieure informaticienne, donc j'ai un diplôme en génie logiciel. C'est un peu ça. Et donc, je vous invite vraiment à participer. J'insiste sur participer parce que l'une des clés du community management, c'est la recherche. Donc, je serai amenée à vous poser des questions, quitte à ce que vous partiez sur Google à l'instant, pour imprimer ça dans votre cerveau, comme quoi je dois d'abord rechercher. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que vous allez communiquer pour des entreprises ou pour vous-même. Il n'y a pas une plateforme qui a déjà conçu des textes ou je vais dire quoi, un contenu particulier que vous allez récupérer pour venir mettre chez vous. Non, c'est vous qui créez ce contenu. Et on crée ce contenu en recherchant, en faisant des recherches. Le moteur de recherche le plus visité, c'est Google. Donc, à la base, quand on va faire cette formation, n'hésitez pas d'aller sur Google. J'insiste parce que si moi je commence à vous donner des définitions, j'ai une tendance à donner des définitions, terre à terre. Je donne ça terre à terre pour que ça se fasse comprendre rapidement. Mais maintenant, quand toi aussi tu vas chercher ta part de définition et tu nous expliques, tu essayes de comprendre, tu intègres mieux. Donc c'est ce qui va se passer régulièrement. Concernant le programme, je vais commencer d'abord avec le programme. Donc aujourd'hui, c'est... Certaines personnes m'ont demandé ce qui venait avec les machines. J'ai dit pas vraiment, c'est pas vraiment nécessaire. Parce que nous allons principalement voir le marketing aujourd'hui et la psychologie. Étant donné que c'est 10 jours, c'est pas le marketing digital complètement. Je vous ai dit, c'est 10 jours pour devenir community manager. Quand on a mis sur la page du docteur, beaucoup de gens étaient en train de bavader comme quoi 10 jours c'est impossible. C'est impossible de se former 10 jours pour devenir digital marketer. C'est impossible. Mais 10 jours pour devenir community manager, on peut même faire moins. Si on avait 8 heures de temps par jour, ça fait même 5 jours.
Donc, en gros, c'est un peu ça. Je vous invite vraiment, vraiment à faire beaucoup de recherches. Donc, concernant le programme, le jour 1, principalement, nous allons voir le marketing et la psychologie. Ça va ensemble. Et je veux rappeler un truc, s'il vous plaît. Mettez vos téléphones sur silence. À la limite même, fermez vos machines. Pour l'instant, ça ne sert à rien. Oui. Que tous les téléphones soient sur silence pour qu'on n'ait pas d'interruption. Parce que ça distrait les cerveaux de d'autres personnes. Vous ne comprenez pas forcément de la même manière. Et la deuxième chose qu'on va voir, c'est les réseaux sociaux, en fait. Ce sont les réseaux sociaux. La troisième chose, c'est ce que le community manager doit avoir. Oui. Non, non, le jour 1. Dans le jour 1, on est sur le marketing et la psychologie. Tout savoir sur les réseaux sociaux et le nécessaire du community manager. Je vais vous renvoyer ça. Par la suite, le deuxième jour, nous avons les types de clients. C'est important de connaître les types de clients avec lesquels on converse. Parce que là, on se mêle souvent les pattes et on se résume à perdre du temps même. Si on comprend comment le client est, comment lui réfléchir, on peut gagner en temps. Il y a la méthode SCP, dont la segmentation, le ciblage et le positionnement. Il y a également les types de contenus que nous allons apprendre à créer. C'est souvent la difficulté parce que le plus compliqué même dans le community management, c'est la création de contenu. Et ensuite, le planning éditorial. Parce qu'il y a certaines personnes qui se disent souvent, je ne sais pas quoi publier, vraiment, je ne suis pas inspirée et tout. Le planning éditorial règle ça. Et nous allons voir ça ensemble demain. C'est demain, ce n'est pas la semaine prochaine. Maintenant, le troisième jour, nous allons voir le copywriting, le storytelling et le guérilla marketing, la guérilla marketing. Le storytelling, pourquoi? Que vous soyez community manager après cette formation ou pas du tout, vous devez savoir raconter la meilleure histoire de votre entreprise. Franchement, la meilleure histoire de votre entreprise. Et ça sera un exercice pratique, en fait, où tout le monde va venir se placer ici devant. Parce que moi, je crois que si on veut devenir community manager, on doit avoir de l'oratoire. C'est indispensable. C'est pourquoi il y a certaines formations qui seront même complémentaires. Ceux qui sont à la Startup Academy, vous connaissez la majorité des formations qu'il y a. Si moi, je peux donner une formation aujourd'hui, c'est pas que j'étais une pro à l'école. Hein. Elle, par exemple, c'est ma nièce. Donc, quand moi, j'ai fait ma première soutenance, ce n'était pas le succès total. Et du coup, j'ai pu m'améliorer parce que j'ai pris des formations. Donc, un community manager doit pouvoir le faire. Maintenant, le quatrième jour, on va voir les 10 clés pour rédiger les textes. Les textes captivants. On va également voir, découvrir les réseaux sociaux, en fait. Ceux qui fonctionnent le plus. C'est vrai qu'aujourd'hui, on va quand même voir un peu pour que vous compreniez comment ça fonctionne et sur quoi se positionner parce qu'il y aura un exercice après. Mais on va aussi voir le paramétrage de ces réseaux sociaux, le référencement. D'autres personnes se demandent comment est-ce qu'on fait pour retrouver mon entreprise et tout. Il y a une technique sur les réseaux sociaux pour le faire. Maintenant, le cinquième jour, c'est la création de contenu purement, ainsi que le sixième jour. Après, on aura le tunnel de conversion. Souvent, on réussit à drainer des gens, mais on n'arrive pas à les convertir. Et c'est le problème que beaucoup rencontrent parce qu'ils n'ont pas les techniques qu'il faut et parce qu'ils ne maîtrisent même pas le type de client qu'ils ont eu. Et par la fin, le jour 8, nous allons voir les publicités, sponsoring. Le jour 9, nous allons voir les différents documents. Bon, pour ceux qui veulent créer des entreprises, il y a une façon professionnelle de renvoyer sa proforma ou de faire les rapports d'activité. Samedi, j'étais à une conférence où des gens me demandaient, est-ce que lorsqu'on a un community manager, il doit nous faire des rapports? Oui, il doit nous faire des rapports. Parce que forcément, on ne sait pas lire ce qui est sur la page, mais lui, il comprend que tel contenu ne fonctionne pas ou ceci a plus de succès. Et il peut orienter vraiment votre projet. Donc, c'est très important de savoir faire ça. Et le jour 10, ça sera des exposés. Donc, vous allez m'enseigner. Je serai tranquillement assise. Chacun va se préparer à m'enseigner. Et puis, on va voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Donc, c'est un peu ça en gros. Je vais vous renvoyer ça par une liste de diffusion pour ne pas forcément créer de groupe où tout le monde va bavarder pour rien. Souvent, ce n'est pas intéressant, les groupes. Donc, c'est un peu ça. On va donc commencer. Comme je vous ai dit, le programme d'aujourd'hui, en fait, on va voir l'immersion complètement dans le marketing. La deuxième chose, ce sont les réseaux sociaux et leurs utilisations. La troisième chose, ce sont le nécessaire, en fait, d'un community manager parce que forcément, il faut une base. Et enfin, votre exercice. Donc, on va commencer par quelques définitions. Bon, moi, j'aimerais déjà faire un point. S'il vous plaît,
C'est 10 jours. Laissez vos téléphones, laissez vos machines. Yolande, s'il te plaît, éteins même ton téléphone. J'insiste parce que si vous ne comprenez pas ça, le reste, vous n'allez pas comprendre. J'insiste vraiment. Ceux qui passent le temps à noter, parfois ce n'est pas pertinent. Il faut déjà prendre la peine de comprendre ça. Je veux vraiment insister. J'ai dit 4 heures, j'aurais pu mettre 2 heures. Et puis on rush et puis chacun, chacun va faire ce qu'il a à faire. Mais quand je demande de comprendre cette partie-ci, c'est pour vraiment faire la différence. Généralement, on recrute des community managers, on se dit qu'ils vont vendre tous nos produits. Ce n'est pas leur travail. Le community manager, ce n'est pas son travail. Je gère une communauté. Il n'est pas forcément là pour vendre. Donc, il faut faire attention. C'est pourquoi il faut faire la différence entre ces trois thèmes. Ceux qui ont fait communication, j'aimerais que chacun participe maintenant pour essayer de différencier ces trois éléments-ci. La communication, le marketing et la vente. C'est quoi la différence? Qu'est-ce qu'est la communication? Oui. Oui. De donner une information. D'accord. Un peu comme le journal. Ok, super. Oui. D'accord, super. Quelqu'un d'autre? Pour qu'il y ait communication, il faut quoi? Ok. Et bien sûr, un message. Il faut un message véhiculé. Donc, en ligne, on fait ça. En ligne, on communique, bien sûr. On fait du marketing, on vend. Mais il faut connaître la différence entre tout ça. Parce que dans les types de contenus que nous allons voir, il y a des contenus qui sont juste à titre communication. Il y a certains qui sont à titre marketing. Maintenant, passons sur le marketing. Je vais déjà reprendre ça. Donc là, j'ai mis la transmission, l'échange, l'écoute. Il faut bien que les gens vous écoutent pour que le message passe, sinon il n'y a pas communication. Et encore qu'il faut préciser qu'il y a même la communication non-verbale. C'est là qu'on va comprendre la psychologie. Pourquoi la psychologie? Quand quelqu'un n'est pas intéressé par votre produit, vous pouvez comprendre. On n'a pas besoin de rester là de midi à 14 heures pour comprendre qu'en fait, cette personne n'est pas avec nous, cette personne n'est pas prête à payer. Là, j'ai encore mis quoi? Réponse à un besoin. Et puis, les émotions. Généralement, le journal nous soulève des émotions. Moi, j'ai arrêté de voir le journal pendant Corona parce que j'avais l'impression que j'étais malade. Donc, quand je voyais tous ces symptômes, comment on parlait, on montrait les gens à la télé, en fait, j'avais la sensation vraiment de vivre ça. Et j'ai arrêté. Du coup, ça a soulevé des émotions en moi. Et c'est généralement ce qui se passe pendant une communication. Quelqu'un peut bien prester et puis vous êtes touché. Vous vous sentez obligé d'aller vers cette personne après. Donc, mettre un message à la disposition d'autrui. C'est un peu ça, la communication, tout simplement. La deuxième chose, le marketing. Le marketing, c'est quoi? Oui. Convaincre, pas vraiment. Je ne vais pas employer ce mot convaincre dans le marketing. Parce que ça s'applique beaucoup plus au niveau de la vente. On va trouver, oui. Oui, pour faire connaître une marque, un produit, un service, oui. Tout à l'heure, j'ai fait le marketing. Je vous ai parlé de la formation en oratoire. C'est du marketing. Vous n'allez pas forcément acheter maintenant, ou bien vous n'allez même pas acheter. Mais vous êtes quand même au courant de ça. Et vous êtes au courant que ça va vous aider. Et je suis sûre que certaines personnes vont prendre ça ici. C'est ça le marketing. Prenons l'exemple de Brasserie. Je pense que tout le monde ici a déjà consommé Brasserie. Souvent, on passe en route, on voit des grandes affiches et tout. Ce n'est pas parce qu'on a vu l'affiche là que forcément, on part avec l'affiche pour acheter.
Mais de façon inconsciente, ça joue en nous. Et ils sont très forts dans ça. Il y a également Orange qui fait ça. En fait, je veux que vous compreniez que lorsqu'on se lance dans le digital, c'est juste un outil. Donc, à la base, vous devez comprendre ce qu'est le marketing. Quand vous voyez des publicités en route, arrêtez-vous. Regardez le fond de la publicité. Regardez parfois les petits textes. Orange, ce n'est pas forcément camerounais, mais ils utilisent des expressions propres au camerounais, propres même aux jeunes. Donc, si moi qui fais dans le marketing, qui fais dans le community management, je n'arrive pas déjà à regarder ça quand je passe en route, je vais passer à côté de beaucoup de choses. Parce qu'il faut voir ce qui captive les gens. Souvent, on peut donner 1 million, 2 millions, le milliard même à quelqu'un qui fait la communication pour produire une publicité. Qu'est-ce qui se passe après? On voit juste un mini flyer avec quelqu'un qui rit et une petite phrase. Tu vas te demander pourquoi est-ce que tu as donné 1 million à la personne. Mais en fait, ce qu'il a juste fait là, c'est magique. Tu vas voir les retours. Parce que lui, il comprend la cible. Orange n'a pas une communication. Ces temps-ci, Orange a une communication orientée jeune. C'est pourquoi dernièrement, j'ai vu une publicité, le king du web, un truc comme ça. Il y a un jeune là et puis il y a son téléphone. Et sur l'écran de téléphone, il y a carrément WhatsApp et c'est Orange qui appelle. Tout ça a été designé. Donc quand tu regardes tout ce détail, tu dois pouvoir comprendre que la communication, ce n'est pas une histoire d'aller sur le digital et puis mettre n'importe quoi en ligne. Se dire que bon, j'ai une page, ok. Je ne sais pas comment publier, je ne sais même pas quoi mettre. C'est pourquoi j'insiste qu'il faut déjà comprendre les différences entre ces thèmes-ci. Donc ceux qui vont devenir community manager là, apprenez à expliquer à vos clients que vous n'êtes pas forcément là pour vendre. Vous accompagnez leur stratégie de vente. Vous êtes là pour entretenir une communauté en ligne. On peut vous blâmer sur le fait que la communauté ne monte pas. Vous communiquez peut-être mal, genre pas l'idéologie de l'entreprise, mais pas forcément au niveau des ventes. Ce n'est pas le travail du community manager. C'est pourquoi dans une entreprise, il y a les commerciaux. Il y a des commerciaux. Mais si vous communiquez mal en ligne et puis on perçoit mal l'entreprise, là, c'est le community manager. S'il y a des erreurs sur les textes, là, c'est le community manager. Donc, je ne sais pas si c'est que vous essayez déjà de scinder ce qui est important pour le community manager. Tu dois savoir bien t'exprimer, que ce soit en anglais ou en français, surtout dans ce pays. Tu dois pouvoir bien écrire ces deux langues. Parce qu'il y a des gens qui vont venir écrire français. Bon, maintenant, si on vient écrire arabe, c'est là qu'on va comprendre que nous ne sommes pas dans le même contexte. Mais dans notre contexte camerounais, c'est ce qui est. Donc, en gros, le marketing, on étudie un problème ou un besoin, on identifie un consommateur, on présente la solution au potentiel client et il achète. C'est pourquoi toutes les publicités ne doivent pas forcément vous toucher, ça ne vous concerne pas. Et Facebook a su jouer avec ça. Parce que Facebook a étudié nos comportements. Ils savent que lorsque je commence à m'intéresser à un produit particulier, on va commencer à me proposer des gens qui ont fait la publicité de ce produit particulier. OK. Donc, savoir quoi vendre, à qui et comment, c'est ça le marketing, terre à terre. Moi, je ne vais pas prendre les définitions de Google. Tout le monde a accès à Google. Mais dis ça simplement comme ça. Pour quelqu'un de 4 ans, il va comprendre. Tu sais quoi vendre, à qui et comment. Donc, tu connais déjà ta cible. Tu connais ton produit. Tu sais comment tu vas toucher ta cible. C'est ça le marketing. La prochaine chose, c'est la vente. La vente, c'est quoi maintenant? Oui. Ok. À la base, nous tous, nous devons être des vendeurs. Hein. À la Startup Academy, nous, on dit ça tout le temps. Il y a des gens qui ont honte de dire qu'ils vendent X ou Y produits. Mais si j'ai demandé que chacun fasse l'exercice de se présenter, c'est pour se vendre. On peut déjà savoir dans la salle qui sait se vendre et qui ne sait pas se vendre. Et c'est un truc à travailler. Donc, la vente, c'est quoi? Oui.
En fait, une vente apparaît lorsqu'il y a échange. Pour qu'une vente soit faite, il faut qu'il y ait de l'argent. On ne peut pas définir une vente quand il n'y a pas eu d'argent. Je prends un simple cas. J'ai lancé la formation. Moi, je ne vous considère pas en tant qu'inscrit quand je n'ai pas perçu votre somme d'inscription. Parce que sinon, on va se mêler. Il y a cette différence entre les prospects et les clients. Les gens se mêlent souvent. On se dit, non, tel est prospect parce qu'il m'a promis. Il ne t'a rien promis. Bon, tel est client parce qu'il m'a promis. Mais son prospect, en fait, tu ne l'as pas converti, tu n'as pas son argent. La promesse, ce n'est pas la vente. J'aimerais même que tout le monde répète ça. La promesse, ce n'est pas la vente. Encore. Donc, quand vous êtes en ligne, quand vous allez chercher à convertir les gens, sachez que la promesse, ce n'est pas la vente. Je vais payer la semaine prochaine. Je vais faire ça tel jour. Ce n'est pas la vente, s'il vous plaît. Donc, si vous n'avez pas encore pour l'argent de quelqu'un, laissez. Ne dites pas que, comme je suis en train d'organiser un truc là, je suis en train d'organiser une formation, il y a telle ou telle personne qui m'a promis qu'il sera là. Le jour où il va vous dire que j'ai même eu un accident, je n'avais même pas l'argent. En fait, il y a toujours des excuses. Toujours et toujours des excuses. Pour cette formation particulièrement, j'ai eu trop de promesses et moi, je connaissais comment classer ces personnes parce que j'avais mon objectif. Il y a d'autres personnes qui sont en ligne. Donc, c'est pourquoi j'enregistre parce qu'il faut que j'envoie. C'est pourquoi j'insiste sur le fait que quand quelqu'un n'a pas encore payé, ce n'est pas votre client. Et lorsqu'il n'a pas encore payé, il faut comprendre pourquoi il ne paye pas. Même s'il ne paye pas aujourd'hui, il faut savoir l'entretenir pour que demain, il puisse revenir. Parce qu'au moins, il a déjà, manifesté de l'intérêt envers votre produit. Et nous sommes des êtres humains. Si on a besoin de ça aujourd'hui, forcément, même dans un an, on peut encore avoir besoin de ça. Ou bien notre entourage même. Donc, en gros, au niveau de la vente, il faut un client, oui. Oui. Oui, un prospect, c'est celui qui te dit, « Ok, je suis intéressé, votre formation m'intéresse vraiment, madame. » Alors, je pose des questions, en fait, parce que lorsqu'on est en face prospect, je pense que beaucoup ici m'avaient posé beaucoup de questions. Il y a même elle que j'ai consultée gratuitement une fois, mais elle est arrivée. Il y a, oui, c'est toi, tu étais à ma messe entrepreneuriale. Tu as posé tellement de questions et c'est parce que j'ai répondu à tes questions que plus tard, tu as dit, oh, je vais faire la formation. C'est ça, n'est-ce pas? Tu es encore prospect. En fait, elle, c'est l'une des personnes que j'ai le plus rapidement convertie. Parce qu'elle est venue à ma messe, on a fait la messe, elle posait des questions, je répondais à ses questions et à la fin de la formation, elle a payé. Oui, là, tu étais cliente. Donc, tu vois que le temps de conversion, ce n'était pas trop ça. Le temps qu'on échange pendant la messe, déjà que tu es arrivé en retard, n'est-ce pas? Quelques questions, après la messe, tu payes. Moins de 2 heures. Et vous devez évaluer ça, en fait. J'insiste sur le temps parce que vous devez évaluer. Combien de temps est-ce que le prospect fait pour payer? Moi, j'ai une autre agence d'achat d'articles en Chine. En général, pour que le client me donne son argent, il faut qu'on se voit 3 fois. Même si c'est 25. Il faut qu'on échange au moins 3 fois. Et j'ai pu analyser ça parce que j'ai eu plusieurs personnes qui venaient dans ce sens-là. On échange, bonjour, aujourd'hui je veux ça. En fait, j'hésite même. Est-ce que tu penses que vous enchaînez les rendez-vous avant que la personne te donne son argent? La phase, elle est encore prospère. Même s'il sait qu'il va te donner de l'argent, genre, dans 2 semaines. C'est encore un prospère parce qu'entre-temps, son père peut mourir, sa mère peut mourir. Et puis, il te dit que, OK, je n'ai plus l'argent. J'ai d'autres situations. Et ce sont des choses dans la vie que. Ce sont des choses dans la vie qu'on ne peut pas dire qu'on contrôle ça. Quelqu'un veut bien participer à cette formation, mais il a un souci. Il a un souci même à ordre familial. Il va faire comment? Est-ce qu'il va mettre la formation pourtant il y a un cas chez lui? Non. Donc il faut bien distinguer entre le prospect et le client. Ça va beaucoup vous aider. Les promesses, là, vous qui travaillez dans les entreprises des gens, arrêtez de dire au chef qu'il y a un client qui m'a promis. Ce n'est même pas encore un client, c'est un prospect. Donc, en gros, il faut savoir persuader. Ceux qui sont chefs d'entreprise, ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, si vous n'avez pas l'oratoire, c'est mort.
Si vous ne savez pas travailler votre persuasion, c'est mort. Il y a le branding également. Si vous ne savez pas faire ces trois choses-là, vous n'allez pas vendre. Donc, partout où vous êtes, vous devez être capable de vendre. Pas forcément dire que je vends les beignets, je vends ça, je viens avec. Mais il y a une façon de se présenter, il y a une façon de se vêtir, il y a une façon de parler. C'est de la vente. OK. Donc, en gros, la vente, c'est servir. Servir, j'insiste dessus parce que lorsqu'on se met dehors, lorsqu'on recherche de l'argent, on se met au service des gens. On rend service aux gens pour gagner de l'argent. Et service, c'est vraiment un point fort. C'est un service. Il y a des points où on arrive. Je vais prendre le cas d'Express Union. Qui a vécu Express Union ici? Quand on arrivait là-bas, c'était comment le service? Vous voyez comment l'entreprise a chuté? Ce qui soutient encore ça, ce sont les Western Union et tout, mais sinon, Express Union en lui-même, c'est pas ça. Et dès qu'on vous dit seulement Express Union, ce qui vient dans votre tête vraiment, c'est le mauvais service client. Oui, maintenant vous partez, on est gentil avec vous parce qu'ils ont pu comprendre ça plus tard et c'était très tard déjà. Très tard, déjà qu'on se lève, on vient dans une agence, il y a beaucoup de gens. Juste parce qu'on a écorché ton nom, on te dit repasse demain. Et entre-temps, j'ai besoin d'argent. Donc le service, il faut savoir vous mettre au service des gens. Ça va vous inquiéter même pour votre client. Moi, quand je travaillais en entreprise, des jours que je manquais de travail, quand certains clients venaient, la fois où il revient encore, il me dit, dernièrement, j'ai trouvé ton assistante. Là, il ne se rappelle même pas de son nom. Mais par contre, quand je viens en échange, genre son enfant, ça va comment? Parce que le client prenait même la peine de me parler de ses enfants. Bizarrement, on était déjà proches. Juste parce que j'ai su entretenir cette relation-là. Donc, en faisant par exemple ton reçu, j'essaie de prendre tes nouvelles, genre comment vous allez, avec tout le sourire. Quand j'ai posé ma démission, les derniers jours-là, mes collègues étaient très attentifs. Et quand je finissais avec le client, les gars riaient souvent, qu'on va gérer tes clients, c'est comment quand tu pars? Parce qu'en fait, il y avait déjà une relation. Donc, si vous avez des produits ou des services que vous avez sur le marché et vous n'arrivez pas à créer des relations, tout ne se limite pas à l'argent. Parfois, ce n'est même pas l'argent qui réussit à résoudre vos problèmes ici dehors. Si vous n'arrivez pas à créer des relations, c'est comme ça que vous serez une passoire. Le client, le prospect entre, il se transforme en client, après il sort, il ne revient plus jamais. Pourtant, votre client doit se transformer en ambassadeur. Il doit pouvoir vous recommander. Quand le service est bien fait, on recommande. Mais quand il est mal fait, on parle tellement mal de ça. C'est pourquoi la mauvaise communication sur Express Union ne va jamais finir. Parce que c'est un très bon exemple dans cette société pour ceux qui sont au Cameroun. Maintenant, ceux qui ne sont pas au Cameroun, Express Union, c'est juste l'échange en fait de devises, en fait un transfert, un service de transfert d'argent sur le territoire national. Et c'était vraiment horrible. Donc, tout le monde peut confirmer ça. En gros, c'est un peu ça. Maintenant, on va parler du marketing. On va entrer dans le marketing. Et là, on va un peu voir des thèmes. En marketing, donc. Au Cameroun, généralement, on parle de salaka. Quand on parle de salaka, c'est le partage. Sauf qu'en marketing, ça s'appelle du sampling. Bon, on partage. Le salaka, c'est le partage, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, en marketing, on appelle ça du sampling. Il faut savoir utiliser des thèmes du domaine. Ça vous rend professionnel. Ce qui fait que quand le client ne comprend pas, je peux découper. Donc, je vais parler au client du sampling. Par contre, s'il est sceptique, je ne comprends pas, je prends terre à terre du salaka. Ça vous rend professionnel. J'insiste pour ceux qui veulent devenir des professionnels du community management. Maintenant, le Kongosa, on dit, c'est le bouche-oreille en marketing. Et ça fonctionne très bien. Le bouche-oreille en ligne, c'est tout simplement les partages. Ou bien j'ai fait un screenshot, vraiment l'histoire, si c'est l'histoire du moment, le scoop du moment, je fais le screenshot ou bien j'enregistre l'écran, je partage. Le goûter, la dégustation, généralement, ceux qui sont dans l'agro, il y a toujours le goûter. Donc, on vient toujours. Ou bien même quand on va au marché, les mecs qui vendent les bâtons devant les poissonneries, là, elles ont toujours un bâton toujours ouvert là, que tu peux goûter. Ou bien celles qui vendent l'avocat, il y a toujours ça. C'est l'Afrique, c'est comme ça et on fait avec. Ceux qui se plaignent de l'hygiène, là, franchement, c'est comme ça que les mamans goûtent au marché. Je vends, je perds, c'est la publicité. Il y a toujours ces gars-là, surtout ceux qui déballent les habits.
ils sont toujours en train de crier « je vends, je perds, je vends, je perds ». Et toi, tu es en mode « il vend quoi, il perd quoi ». Tu t'arrêtes. Mais sa publicité t'a touché. Après, voici ton cadeau à Sceaux. On aime beaucoup ça. Il n'y a pas le cadeau. On insiste même souvent sur ça. Que tu m'as servi les arachides, il n'y a pas le cadeau. Maintenant, ma chérie, viens, j'ai des bons trucs pour toi. Les gars de Mokolo sont très forts sur ça. Les apacheurs, là. Ils te suivent même avec la bille. Tu vois pas ça? Ça sera bien. Comme tu es même bien formée, là, tu es mannequin d'abord et tout. Franchement, il faut aller à l'école de Mokolo. Moi, je dis souvent ça. Parce qu'on a tendance à croire que nous, on a fait marketing dans une grande école, on est assis, la clim nous tape et tout. Mais ces gars-là sont au charbon et ils savent ce que c'est. Vu qu'ils ne partent pas de là, ça veut dire que ça donne quand même de l'argent. Donc, à un moment donné, pour rien comme ça, aller au marché, écouter ces personnes-là, comment ils réagissent, comment ils font au quotidien. C'est vrai que certains abusent, ils sont même agressifs. Mais essayez un peu de voir les différences. Et quand il finit de vous dire, ma chérie, viens et tout, il faut comprendre ce qui t'a fait venir vers lui. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui vont dire ça après, ils ont des cheveux bizarres et tout, justement. Ah non, moi je ne vais pas venir. Mais celui vers qui tu vas aller, il faut comprendre pourquoi tu es parti vers lui. Ensuite, choisis, je fais le prix, la réduction. On aime bien ça. Qu'il n'y a pas le prix, tu ne fais pas le prix. Le dernier prix, c'est combien? Tout ça entre dans le thème de la réduction. Je pense que tout le monde se reconnaît dans ça parce que c'est notre société en fait. C'est pourquoi j'ai précisé au Cameroun, c'est ce qu'on dit. Maintenant en Côte d'Ivoire, on peut dire ça. Au Congo, on peut dire ça. Nous, on ne connaît pas vraiment les réalités de là-bas. Mais pour ceux qui sont au Cameroun quand même, je pense qu'on identifie tout ça dans nos marchés. J'insiste, le marketing, ce n'est pas qu'en ligne. On fait le marketing tous les jours. Tous les jours. Oui. Oui, c'est une journée, oui. Le goûter, généralement, quand quelqu'un bavarde, il bavarde, après il dit c'est une journée, venez goûter une journée. Ce sont des expressions juste pour attirer les gens. Orange utilise bien ça. Ok. Ensuite, on a déjà vu ce qu'est le marketing. Maintenant, on va partir sur la psychologie. La psychologie, c'est quoi? Et c'est ce qu'on utilise beaucoup en ligne, en fait. Si quelqu'un lit ce qui est là, vous devez comprendre et m'expliquer ce que c'est. Je vais vous renvoyer le PowerPoint. Mais vous devez comprendre. Vous avez vos téléphones. Vous pouvez faire des recherches. Quand on parle de psychologie, ceux qui ont fait, vous avez fait quoi? C'est philosophie à l'école? J'ai fait la session anglophone perso, je n'ai pas fait philosophie. Bon. Moi, je bateau au cours de philosophie juste pour rire, parce que les professeurs, ils avaient souvent des débats bizarres. Bon, oui. Mm-hmm. Le comportement. Comment je te comporte? Justement, on a souvent cette histoire du socialement correct. C'est pas parce que quelqu'un vous dit non que c'est vraiment non. Il faut comprendre le non, je suis quand même intéressée, mais c'est pas l'endroit. Et non, je ne suis pas là. Non, je ne suis pas là. Et non, c'est pas l'endroit, c'est pas le moment. Souvent ici, le docteur, lui, parle de l'industrie du film porno. Si on entre dans cette salon des mains qui regarde ça, personne ne va se lever la main. D'office, personne. Mais si on passe les navigateurs des gens, on va découvrir des choses bizarres. C'est un peu ce qui fonctionne. C'est comme ça que la société fonctionne. On se dit non, je vais être correct. Il y a un dernier, il a mis sur son statut, c'est même pas dernier, c'est hier. Il a mis sur son statut des bijoux d'un membre ici. Il confectionne en fait des bijoux personnalisés. Et il a mis des chaînes, des pieds et tout, bref, des décorations bizarres avec des mots bizarres, déjà des mots coquins. Et il a mis un statut. Après la messe, on parlait de ça, il y a eu des commandes. Il y a des commandes, mais s'il vient se placer dans cette salle et il présente ce qu'il vend, tout le monde va dire non, gars, tu as fait fort. C'est un peu ça.
Donc, il faut savoir distinguer le non, je ne suis pas intéressé, et non, ce n'est pas le moment en fait. Parce qu'il y a des produits qui ne vont pas se vendre comme ça. On ne va pas venir se placer devant n'importe qui. Et encore, il faut le lieu. Vous n'allez pas arriver dans un coin professionnel et présenter des choses bizarres et vous attendre à ce que les gens achètent. Même comme vous savez que ces gens-là consomment ça, ils ne vont pas forcément exposer qu'ils consomment ça. Donc, la psychologie, c'est un peu ça. Je voulais vous ramener au comportement des gens, en fait. Le comportement des gens. Vous, en tant que psychologue ou en tant que marketiste, vous devez comprendre ça. Et il y a toute une science qui est née derrière la psychologie, la psychomarketing. Donc, il y a des experts qui se sont assis pour eux-mêmes d'abord comprendre leur comportement, leur corps, avant de revenir comprendre les comportements des gens. Le réseau social le plus utilisé, c'est Facebook. Il y a des gens qui sont spécialistes pour analyser les comportements des gens qui résident à Yaoundé, de telle tranche d'âge à telle tranche d'âge, dans leur équipe. Donc, quand vous allez partir dans l'outil de Facebook Ads pour les sponsoring, qu'on va voir ça, vous allez forcément voir la rubrique comportement. Comportement. Vous allez beau dire, je ne fais pas ça, je ne fais pas ça, je ne fais pas ça. Mais si on prend, on analyse votre téléphone, ce que vous faites, ce n'est pas ce que vous dites. Et Facebook a compris ça. Donc, on ne se limite pas à ce que le client dit, mais on étudie son comportement. Et donc, en fait, là, j'ai un peu essayé de briefer. Avant, il fallait avoir beaucoup d'argent pour faire du marketing. Franchement, avant, les entreprises qu'on voyait beaucoup en avant, c'était les entreprises qui avaient énormément d'argent. Mais aujourd'hui, même avec un petit budget, chacun peut faire sa communication. Et si on a même des techniques qui vont avec ce petit budget, on peut traverser les budgets des grosses boîtes. Parce qu'en fait, ce n'est pas parce que j'ai beaucoup d'argent que forcément je vais atteindre les résultats. Non. Quelqu'un peut faire un sponsoring de 10 000. Toi, tu fais un sponsoring d'un million, mais tu n'as même pas deux clients. Et celui qui a fait pour 10 000 a 15 clients. Donc, il faut comprendre que ce n'est pas une histoire d'argent. C'est pourquoi tout à l'heure, je vous ai demandé de fermer vos machines, fermer vos téléphones pour d'abord comprendre le marketing avant de se mettre en ligne. En ligne, on applique juste ce qu'on a déjà compris en marketing. Du coup, on dit là, avant, il fallait avoir beaucoup d'argent pour faire du marketing quand il fallait passer par l'un de ces grands médias, genre la TV, la radio, les affiches, la presse, le cinéma, et espérer que le consommateur se souvienne de son produit ou son service qu'il avait vu. Donc, combien de gens voyaient la télé ici? Soyez sincères. Vous voyez la télé? Rarement, comment? Le rarement, là, c'est combien de... Justement, est-ce que... Bon, je vais revenir. Est-ce que vous regardez les chaînes camerounaises? Certaines. À quelle fréquence? La probabilité que tu vois une publicité qui t'a touché là-bas et que tu es parti à la boutique acheter le produit que tu as vu là-bas, c'est quoi? Voix inexistante. En fait, c'est un peu ça. Donc, vous voyez qu'avant, c'était ce qui se passait. On faisait cette communication-là. Je suis sûre que vous connaissez beaucoup plus de produits français que camerounais. Parce que vous voyez TF1, vous voyez comment ils sont précis dans la publicité. Moi, j'ai eu à faire une analyse pendant genre un mois. Quand les gens voient la télé, moi, je viens au moment des publicités. Quand tu changes, tu m'énerves. Parce que j'étais en train de faire l'analyse, j'ai constaté que les publicités qui duraient le plus, c'était 15 secondes max. Et c'était des publicités de voitures. Parce qu'il faut que la voiture roule, il faut qu'on montre des fonctionnalités et tout. Mais les autres publicités, c'était genre 3 secondes, 5 secondes, 7 secondes max. Et les 7 secondes, ça partait plus dans les produits de ménage. Donc, on va mettre d'abord dans la machine à laver, ça va tourner, on vous montre comment la bille sort et tout. Mais les autres, où on veut vous montrer le biscuit, ou alors on rappelle l'émission en vous disant que telle personne est partenaire, c'était du flash. Est-ce que si vous voyez la publicité de Kinder qui passe 3 secondes, quand vous allez ici au supermarché, vous allez demander le Kinder. Moi, je suis une fan. En fait, je collectionne les jouets de Kinder. Je sais pas, c'est comme une passion. Je n'achète pas le Kinder pour le chocolat, mais pour le jouet d'abord. Oui, comme les enfants, c'est peut-être mon côté enfant. Mais moi, en fait, c'est ça. Et leur publicité, ça me touche souvent. Pourtant, ce n'est pas sur une chaîne camerounaise que j'ai vu ça. Donc, nous, dans nos habitudes, j'ai même souvent tendance à croire que
Ça peut être intéressant pour les Camerounais de faire les publicités sur TF1. TF1 entre 15h et 17h, quand on voit nos émissions de 4 mariages pour une lune de miel, parce qu'on aime beaucoup commenter ça, il y a carrément des groupes sur Facebook pour commenter les choses des Blancs. Vous voyez un peu le degré. Donc je me disais qu'à un moment donné, si quelqu'un veut bien faire sa communication et toucher les femmes camerounaises surtout, il fait en sorte que sa publicité passe quand 4 mariages pour une lune de miel passe. Parce que si vous partez dans des ménages, surtout pendant les vacances, ou bien quand il y avait les Secret Stories, les gens étaient scotchés sur la télé. Donc, c'est un peu ça en gros. Cette méthode, ça ne fonctionne plus vraiment. Hein, parce qu'avec l'avenir du digital, il y a certaines de nos chaînes camerounaises qu'on blâme, que vous dites que vous communiquez avec les jeunes, mais vous communiquez où exactement? Parce que les jeunes, ils ne sont pas où vous pensez. Les jeunes sont en ligne. C'est pourquoi beaucoup de chaînes, ils ont dû créer des pages pour souvent communiquer. Ils ont même créé des concepts derrière ces pages-là pour pouvoir communiquer. Et maintenant, la psychologie, c'est analyser, comprendre les comportements des humains. Comme j'ai dit au départ, on comprend les comportements des humains. Donc, c'est donc la science qui étudie comment l'individu, le sujet ou l'acteur, perçoit, apprend, comprend, agit, ressent, pense, aime, désire, décide et communique. Mettez l'accent sur tout ça. Il perçoit comment, il apprend comment, il comprend, il agit comment. Il pense. Comment il pense? Parce que si vous voulez faire le marketing, il y a déjà il y a environ 9 types d'intelligence. C'est une formation ici à la Startup Academy. Il faut comprendre les intelligences des gens. Moi, dernièrement, en voulant faire un post, j'ai écrit « Dieu n'existe pas ». J'ai renvoyé ça ici à la corde, elle a crié. Parce qu'elle savait ce que ça allait faire comme réaction en ligne. Il y a beaucoup de croyants, il y a déjà que certains posts de la Startup Academy, ça choque beaucoup de gens. Mais l'autre là, ça allait vraiment finir avec les gars. Sauf que dans ça, j'expliquais que c'est un type d'intelligence. Il y a des gens, ils ont besoin des preuves. Pourquoi est-ce que je vais croire un truc que je n'ai pas vu? C'est une façon de penser, c'est un type d'intelligence que certaines personnes ont. Donc si toi, tu comprends déjà que X ou Y est en face de moi à ce type d'intelligence, pas la peine de gaspiller ta salive pour faire un long débat. D'accord, avec lui et puis tu arrêtes la conversation. Moi, c'est une technique que je fais pour ne pas durer à converser avec les gens. Je comprends ton type d'intelligence. Je sais que si je parle des statistiques, ce n'est pas ton truc. Je trouve une manière, en fait, de te dire ce que j'ai à te dire. Et puis, on est tous contents. Donc, si tu connais les différents types d'intelligence des gens, ça va te faire gagner beaucoup d'énergie et beaucoup de temps. Parce que bavarder, ça nécessite beaucoup d'énergie. Et pour bien bavarder, il faut manger avant. Et pour manger, il faut de l'argent. Et pour avoir de l'argent, il faut travailler. Donc, c'est un peu ça. Comme je vous ai dit, il y a le psychomarketing. Ça englobe donc toutes ces disciplines, en fait. Le neuromarketing, c'est le marketing où on étudie le cerveau et tout. Le marketing digital, c'est ce que beaucoup de gens font. Toucher le digital avec le marketing. Le marketing direct. Souvent, on a tendance à croire que parce qu'on est sur les réseaux sociaux, quand on se retrouve dans des séances où on peut networker, on ne parle pas de son produit, on ne parle pas de son service. Vous voyez un peu? C'est pas cool, c'est pas top. Parce qu'en fait, vous devez comprendre que tous ceux qui sont là sont des personnes connectées que vous recherchez en ligne. Et si vous communiez bien avec ces personnes-là, ils vont également communiquer sur vos produits, même s'ils ne sont pas intéressés d'entrée de jeu. Mais juste le fait de savoir que X ou Y fait dans ça, je m'aligne. Elle, par exemple, elle m'a bien vendu son service d'immobilier. Donc, dans ma tête, c'est si je cherche des appartements à Yaoundé ou bien un terrain, je vais aller vers elle déjà parce qu'elle m'a inspiré confiance. La confiance, elle est mutuelle, en fait. Elle est venue, elle a payé pour une formation. On ne se connaissait pas, on ne s'est jamais vu. Elle me parle de son produit, elle me parle de son service. Elle a une entreprise qui est mise sur pied. Et je vois les communications en ligne. Pardon. On simplifie beaucoup, beaucoup, beaucoup la communication directe et c'est mauvais. Donc, quand vous avez l'opportunité de vous présenter, vraiment, présentez-vous comme si c'était le jour de votre mariage, la meilleure des façons. La meilleure des façons. Parce que vous ne savez pas qui vous bluffez. Vous ne savez pas qui est dans la salle, qui vous touchez. Peut-être que la personne n'est pas forcément intéressée par vos produits ou vos services, mais quelqu'un peut avoir ce besoin-là dans son entourage. Et il vous positionne juste parce que vous avez fait bonne impression. On ne fait pas bonne impression deux fois.
D'entrée de jeu, si vous venez, moi, ça ne m'inspire pas, c'est bon. On ne fait pas bonne impression deux fois. Donc, apprenez à faire votre marketing vous-même. Généralement, on dit on ne délègue pas ce qu'on ne comprend pas. Donc, moi, j'apprécie que la dame Mireille soit venue carrément faire la formation par curiosité. Maintenant, après ce que vous déléguez, au moins vous comprenez ce que vous allez déléguer. Sinon, on va penser comme on pense et croire que la personne qui est en face de nous pense comme on pense ou pense ce qu'on pense. Mais en fait, lui aussi, il est dans sa catégorie, lui aussi, il est dans son univers. Et ça va vous foirer quand même, ça vous fait perdre de l'argent. Donc, quand on délègue, on sait exactement ce qu'on va dire à la personne, ce qu'il doit faire, quitte à prendre même des exemples, quitte à montrer même à la personne. Parce que pour déléguer, même, il faut savoir former ses employés, hein, si on a des employés. Si moi, j'ai envie de te déléguer un truc, je vais te montrer comment je fais. Et quand tu vas venir me présenter, je vais corriger ce qui ne va pas. Là, maintenant, même, tu peux me surprendre, tu peux me dépasser. Donc, en fait, la psycho, le marketing, c'est un peu ce mélange de tout ça. Il y a les techniques d'influence et de persuasion. Il y a une façon souvent d'écrire, c'est où on va voir le copywriting. Il y a une façon d'écrire pour vendre, pour persuader les gens. Parce que le copywriting, c'est l'art de persuader par écrit. Quand on veut vendre en ligne, vous êtes d'accord avec moi qu'il faut des textes, il faut du contenu. Il y a des gens qui ne savent même pas écrire. Et les gens sont très susceptibles en ligne. Petite coquille, on quitte. Petite coquille, on n'est même plus dans le rayon de vos prospects. On est le visiteur, je passais. Parce qu'avant le prospect, il y a le visiteur. Et du coup, il faut être très, très, très précis. Il faut toujours avoir un tunnel de vente. Quand sont les contenus de vente? Parce que écrire un bon texte et ne pas avoir un lien où on peut vous contacter, ou alors faire même des erreurs sur ce lien, c'est horrible pour vous. Donc, créant des liens, il faut savoir exactement ce qu'on veut demander à la personne de remplir. Moi, je fais toujours l'analyse. Si quelqu'un arrive dans mon eBay, OK, ça veut dire qu'il est passé comment pour arriver à moi. J'essaye de voir son parcours. Ça veut dire que beaucoup de gens doivent passer. Et plus j'essaye de comprendre son parcours, c'est comme ça que je vais réduire le parcours là, pour qu'il arrive plus facilement à moi. Parce que plus on souffre de vous contacter en ligne, plus c'est pénible pour nous. Je prends un exemple. Vous finissez d'écrire un très beau texte. Après, vous mettez votre numéro. Plus 237, 680, machin. Ce n'est pas l'idéal. Autant mieux mettre un lien, la personne clique dessus, il tombe dans votre WhatsApp. Autant mieux. Mais encore, WhatsApp, ce n'est pas très pertinent parce que ça ne vous permet pas de mesurer le nombre de personnes, de prospects qui viennent et tout et tout. Donc, quand on met le lien, au moins on sait combien de personnes sont entrées, on sait combien de personnes on a converties derrière ce lien, et puis on sait comment améliorer par la suite. Donc, en gros, c'est un peu ça. Et nous allons voir toutes ces disciplines-là. Pardon. Maintenant, on va parler du cerveau. Le cerveau, c'est quoi? Le cerveau, c'est quoi? Tout le monde a un cerveau, non, je crois. Ou alors, certains n'ont pas, ils ont laissé à la maison. Oui. Oui. Mm-hmm. OK. Mm-hmm. Que les gens utilisent mal. Il y a des gens qui n'utilisent pas leur cerveau. J'ai un cousin qui me dit que quand la tête refuse de réfléchir, le corps souffre. Et c'est vrai. Vous allez voir, ceux qui font les petits métiers, ils ont tendance à beaucoup souffrir parce que le cerveau n'est pas très présent. Par contre, vous allez voir certaines personnes qui ont des primes salariales ou alors du moins qui génèrent énormément de fonds parce qu'ils ont su mettre un système où ils ont dû utiliser leur cerveau. Pourquoi est-ce que beaucoup de gens n'utilisent pas leur cerveau? Je crois que ça doit faire même l'objet d'un débat. Parce que, pardon. Moi, je n'utilise même pas encore mon cerveau, et même pas 10%, franchement. Oui, je n'utilise pas encore mon cerveau. Je suis en train de travailler sur ça.
Non, 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 ça c'est dans une discipline bien précise. Parce que je suis sûre que tu peux m'apprendre beaucoup en communication. C'est pas ça. Tu peux m'apprendre beaucoup en communication. Elle peut m'apprendre en pharmacie, etc. Donc chacun sa discipline à la base, chacun s'est formé dans X ou Y choses. Et puis par la suite, il vient apprendre d'autres disciplines. Donc on apprend tout le monde. Bonjour Daryl. Ok, donc en gros, c'est vrai que l'image est en anglais, mais j'ai préféré cette image-là pour mieux illustrer comment ça fonctionne. À la base, nous avons le cerveau reptilien. Nous avons trois types de cerveaux. Le reptilien, c'est le plus ancien en fait. Généralement, si je prends un exemple, si quelqu'un entre dans cette salle avec un fusil, vous allez réagir comment? Il y a certains qui vont s'envoler directement. En fait, c'est pour vous faire comprendre que c'est le cerveau reptilien qui réagit comme ça, en fait. Donc, on a toujours ces réflexes-là. Est-ce que le réflexe, tu réfléchis? Quand il y a un petit truc, c'est cette partie du cerveau qui travaille ça, en fait. L'instinct animal, en fait. On a tout ça en nous. C'est pourquoi, généralement, ici, au centre, on dit que les étonnants ont souvent une folie là, de 5 minutes et tout. Mais c'est le cerveau reptilien, en fait. Peut-être que c'est trop développé chez eux. Mais c'est cette partie du cerveau qui travaille. Lorsqu'il y a une situation, on cherche la machette une fois. C'est ça en fait. C'est cette partie. Maintenant, ce qui doit vous intéresser, c'est le cerveau limbique, le milieu là. C'est ça qui doit être le plus intéressant pour vous parce que ça touche les émotions. Lorsqu'on veut vendre, on veut toucher les émotions des gens. Si je veux acheter une maison ou alors je veux, comment dire, prendre un appartement. Tu dois pouvoir me demander pourquoi je souhaite prendre l'appartement. Peut-être c'est pour prendre un week-end avec monsieur. Et tu essaies de me donner des phrases dans ce sens avec monsieur. Et plus je vais me faire cette idée-là, je vais rapidement prendre ton appartement. C'est un peu ça. Donc on joue beaucoup avec les émotions lorsqu'on veut vendre. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai une amie. Comme tous ces temps-ci, je mettais souvent des vidéos où je parlais. Parfois, quand j'ai fait le direct ici, j'ai enregistré en fait, j'ai découpé. Et une amie, elle me dit, elle va soutenir bientôt. Elle a besoin de se former chez moi. Je lui ai clairement dit que moi, je ne forme pas en oratoire, je travaille mon oratoire. Mais je te conseille ça. Je lui conseille une formation à 50 000, écrit. J'ai commencé à jouer avec ses émotions. Clairement, tu vas soutenir. La formation, là, ce n'est pas pour que ça t'aide seulement pour la soutenance. Parce qu'après, tu vas devoir chercher l'emploi ou tu vas créer de l'emploi pour des gens. Et bien même pour recruter des gens, il faut être convaincant. On a souvent tendance à croire que c'est la personne qui vient pour l'emploi qui doit vraiment convaincre la personne en face. Mais moi-même qui te recrute, je dois m'asseoir. La façon dont je te parle, c'est mesuré en fait. Un entrepreneur qui ne sait pas parler, franchement, mieux il se couche. Il cherche à devenir employé quelque part. Au fin fond, là, un peu comme les informaticiens qu'on ne voit jamais, là, les gens qui codent. C'est pourquoi j'ai fui ça. Parce que moi, je n'aime pas rester derrière à coder. Franchement, ce n'est pas pertinent. C'est un service, c'est un travail avec lequel on rentre. On rentre souvent avec beaucoup de travail à la maison. Sérieusement. Donc, toi, en tant que femme, si c'est que tu dois construire ta vie en tant qu'informaticienne, c'est quand même chaud. Surtout si tu dois développer des applications. Si tu es dans la partie analyse, tu finis au travail, tu rentres, tu peux peut-être rentrer en cogitant, mais quand il s'agit de développer, taper les codes là, tu fais ça. Quand il s'agit de taper les codes là, c'est généralement dans la nuit que ça vient. C'est pareil pour les graphistes. Les graphistes travaillent beaucoup dans la nuit. Et ce sont des gens qui ont toujours des habillements où on comprend direct que ce sont des graphistes. Ils n'ont pas besoin de faire trop d'efforts. On comprend en fait. Quand quelqu'un est créatif, il y a souvent un petit truc là qu'on voit en lui. Donc, il y a des métiers que si c'est que vous avez envie de travailler... Pardon. Voilà en fait. Et ils aiment bien porter le noir. Ils aiment bien porter le noir. Oui. Ils aiment bien le noir, les petits tennis tranquilles. En fait, c'est ce côté tranquille là.
Quand vous arrivez dans des entreprises informatiques, les gars sont beaucoup plus en t-shirt, tranquille. Bref, on ne veut pas stresser, on ne veut pas réfléchir. Par contre, quelqu'un qui fait communication, il est en t-shirt. Comment? Tu vas présenter le journal avec le t-shirt? Mais ces métiers-là, en fait, ce sont des gens qui... Ils ne travaillent pas ce côté-là, ce n'est pas leur problème. Savoir parler et tout. Moi, à l'école, j'avais un camarade, c'était le deuxième de la classe. Mais s'il faisait un peu d'effort, quand il s'agissait des cours d'anglais, des cours de communication, des cours d'entrepreneuriat, des cours de marketing, c'est qu'il dépasse de loin le premier. De loin. Lui, limite, même, il ne composait pas certaines matières parce que ça ne l'intéressait pas. Il préfère le côté technique, clairement. Donc, il faut savoir toucher les émotions. Il faut toujours chercher à toucher les émotions. Maintenant, ce que vous ne devez pas faire, c'est d'arriver à celui-là, celui qui est plus gros là. Celui qui est plus gros là, c'est votre ennemi. Parce que c'est lui qui essaye toujours de raisonner. C'est lui qui essaye de dire que, OK, si je me suis acheté un iPhone 12 Pro, ça en fait, j'ai quand même dépensé 800 000. Mais en fait, il me fallait la photo. Pourtant, tu as un téléphone, tu as peut-être un 6 qui va bien, qui fait bien ce que tu es censé faire. Donc, lui, il est toujours en train de penser, il est toujours en train de réfléchir. Par contre, quand nous, on veut vendre, on ne doit pas toucher la partie qui réfléchit. Tu ne dois pas réfléchir. On touche tes émotions, tu achètes une fois. On finit avec toi. Mais si on arrive au moment où tu commences à réfléchir, est-ce que c'est rationnel? Est-ce que c'est correct? C'est pas bon. Donc, travailler sur les émotions des gens. Toujours. Que chacun, pour son projet, il essaye de voir les émotions qu'ils peuvent développer. Pour la petite histoire, la peur et la colère vendent beaucoup. La peur et la colère vendent beaucoup. Dernièrement, j'ai pris un exemple sur Corona. Des entreprises se sont fait des milliards avec Corona. C'était la peur qui nous faisait acheter les cache-nez. On simplifie le cache-nez qu'on achète maintenant à 100 francs. Mais avant, on achetait ça à 500 000 francs. C'était la peur, en fait. On n'a pas fait de marketing, on n'a pas fait de communication, genre aller acheter ça ou bien, comment on dit, un gros marketing, vous allez voir les affiches partout. Mais juste le message subliminal, je peux tomber malade. Et c'était de façon mondiale. Chacun partage le cache-nez. On touchait votre émotion, qui était la peur. La peur. Il y a également la colère qui vend. Le fait d'énerver quelqu'un. Si par exemple, quelqu'un entre ici et vous dit « vous êtes bête », je ne me sens pas bête. Je ne me sens pas bête. D'un moment, j'ai fait un post sur la page de la Startup Academy et en moins de 2 heures, il y a eu plus de 20 000 personnes touchées. J'explique. J'ai écrit un truc comme quoi la Startup Academy, ce n'est pas pour les pauvres. Et j'ai mis une photo du docteur en train de rire avec une dame qui est en Mauritanie. En fait, ils étaient en Côte d'Ivoire et il y avait beaucoup de gens dans la salle. La salle, ça semblait un peu le luxe. Bizarrement, les heures auxquelles on se dit les gens ne sont pas connectés, genre vers 16 heures, il y a eu énormément de réactions. Et moi, ce que j'ai mesuré par la suite, j'avais mis le numéro de la Cordeau en bas. Quelques temps après, on fait le brief. Elle me fait comprendre qu'il y a les gens dans mon IB en train d'écrire « Je ne suis pas pauvre ». Et comme elle s'est convertie, elle a converti certains. Dans un texte de rien du tout, les gens sont arrivés. En étant en colère, bien sûr. Comment ça, la Startup Academy, c'est pas pour les pauvres. Vous êtes seulement quoi là-bas? Vous faites quoi réellement et tout? Et il y a des gens qui ont des speeches un peu haineux. Ils arrivent dans ton IB. Et quand tu sais prendre cette personne-là, quand quelqu'un vient avec la colère, ne partez pas aussi avec la colère. Franchement. Donc, tu comprends, tu acceptes d'abord ces insultes et puis vous allez trouver un terrain d'entente. Après toutes les insultes, là, plus tu acceptes ces insultes, plus ils se calment. Par contre, si tu n'acceptes pas ces insultes, ça monte. Donc, tu acceptes d'abord, il se calme, il se calme, il se calme. Après, quand il est déjà calme, tu reprends une conversation naturelle avec cette personne. Maintenant, tu vends mieux la Startup Academy. Et puis, tu convertis la personne. Parce qu'on a souvent tendance à croire que les clients qui viennent, ils commencent à nous insulter. Vraiment, votre service est merdique. Je me rappelle quand j'ai commencé à communiquer sur ma première boîte, des gens arrivaient dans mon IB que c'est même quelle façon de travailler ça. Vous n'êtes pas professionnel. Tu m'écris à 23 heures, mon frère.
23 heures. Et c'est bien marqué que l'entreprise ouvre de 9 heures à 17 heures. Je m'écris à 23 heures, mais je ne suis pas là. Et j'ai compris plus tard que c'était quelqu'un qui ne venait même pas pour acheter. Il venait juste tester. Après, je l'ai bloqué. J'ai encore la possibilité de faire ça. C'est mon entreprise, ce sont mes mégas, c'est mon téléphone. Je l'ai bloqué. Que de perdre mon temps sur ce type de personnes. Il y a d'autres personnes qui vont venir vous embêter. Surtout nous les femmes, surtout quand on a déjà affiché son image en ligne. La personne va arriver, ok monsieur, tu es toute gentille, tu es polie et tout. Après il te dit qu'il a besoin d'amour. Tu as besoin d'amour comment? Moi j'ai besoin d'argent. J'ai besoin d'argent. Donc si tu ne viens pas pour acheter mon service, je ne sais pas trop pourquoi on va causer. Et par respect même parfois pour ton partenaire, ce n'est pas bien de tenir certaines conversations, même si c'est dans le business. Donc, il faut travailler sur ça. Touchez la petite partie du milieu là. Le cerveau reptilien, lui, il est déjà ancien. La joie, ça vend un peu, le bonheur, un peu comme le mariage. Par exemple, il y a Daddy Masoda ici qui fait dans la photographie. Lui, son positionnement, ce sont plus les mariages, les femmes mariées, les femmes enceintes. C'est une émotion particulière qui touche. La naissance, c'est quand même unique. Même si on a 10 enfants, chaque fois qu'on accouche, bon, pour celles qui ont déjà accouché, elles comprennent mieux que moi, mais c'est unique en fait. Donc, il met ça en avant. Et du coup, quand tu es enceinte, tu penses à lui. C'est son positionnement. La joie touche, mais il faut bien l'utiliser. Je vous ai juste dit, ce qui vend le plus, ce qui vend rapidement, c'est ça. Ok, des questions. Jusqu'ici, des questions. Est-ce que ça avance bien? La pause. C'est 4 heures, voire même on essaie même de gagner en temps pour que certaines personnes puissent partir. On a mis l'intervalle 10 heures, 14 heures pour que... La pause, pourquoi? Le cerveau peut se concentrer maximum pendant 4 heures. Donc, si on prend 4 heures, le matin... C'est pourquoi on n'a pas pris plus d'heures. Et généralement, on va faire moins de 3 heures. C'est plus les jours où on va toucher la machine que vous allez ressentir les 4 heures. Mais aujourd'hui, spécifiquement, c'est parler du marketing pour que vous compreniez d'abord ce que c'est. Et j'espère que jusqu'ici, chacun comprend et chacun essaye de voir les émotions qu'il va pouvoir utiliser pour son entreprise. Il faut comprendre l'idéologie de l'entreprise. N'allez pas utiliser la colère tout le temps ou bien essayer de copier ce que la Startup Academy fait parce que vous voyez que ça marche. Non. Mon entreprise n'est pas là à but de choquer les gens. On n'est pas venu pour choquer les gens. Ne faites pas comme la Startup Academy. Non, c'est pourquoi on doit choquer les gens ici. Tu ne veux pas devenir CM ici, c'est que tu ne sais pas choquer les gens, franchement. Tu vas faire 1 mois, 2 mois, après toi-même tu vas trouver que ce qu'on te demande de faire, c'est trop dur, tu vas partir. Donc c'est un peu ça. Le CM, c'est un peu comme l'informaticien qui s'adapte. On s'adapte en fonction de l'environnement. Si un informaticien travaille à l'hôpital, forcément il va se rapprocher du docteur pour comprendre les thèmes. Si il part travailler, je vais dire quoi, dans une PME, il va comprendre l'entreprise pour pouvoir mieux communiquer dessus. S'il travaille dans une association, il va comprendre l'association, ce que l'association vend. L'idéologie, c'est quoi en fait? Quelle est la valeur en fait de l'entreprise? Les missions, la vision, on va voir ça dans la stratégie marketing. Mais en fait, c'est ce que cette personne-là va essayer de partager à la communauté. Donc, ne partez pas copier ce qui ne fonctionne pas forcément avec votre activité. Parce qu'il y a des gens qui ont tendance à vouloir le faire. La Startup Academy, c'est en moyenne 8 publications par jour. En fait, chaque heure, à partir de 7 heures, 7 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures, 11 heures, 12 heures, chaque heure, il y a une publication. Vous pensez que vous pouvez tenir le rythme là? Chaque heure, une publication. Ce n'est pas forcément l'idéal pour votre business. Parce que les gens ont tendance à mélanger ça. Mais quand vous voyez des pages comme ça, il y a des différentes cibles. Il y a plusieurs personnes, il y a plusieurs cibles. Si moi j'ai une seule cible, pourquoi est-ce que je vais communiquer en longueur de journée comme ça? Pour toucher qui? Toujours les mêmes personnes, ils n'ont rien à faire de leur vie. Rappelez-vous qu'au Cameroun, les gens, ils pleurent les mégas et 100 francs, c'est quand même chaud chaque jour. Combien de personnes font la connexion de 10 000 par mois? Et c'est même pas qu'au Cameroun, on va voir les statistiques, c'est même pas qu'au Cameroun. Bon, globalement en Afrique centrale, les gens pleurent beaucoup les mégas, globalement. Oui, sans oublier
Sans oublier ça. Parce qu'en fait, le temps, quand on est visiteur, on a moins de 2 secondes sur une publication. Quand vous scrollez, il faut apprendre à comprendre vous-même comment vous fonctionnez. Sa propre personne. Quand moi je suis en ligne, je scrolle. C'est moins de 2 secondes sur une publication. Le temps de balayer, voir ce que le titre a, le petit texte et l'image ou la vidéo qui accompagne. C'est moins de 2 secondes. Donc pour que je reste sur une publication, je clique sur lire la suite et que je clique même sur les photos, il faut que ça me captive. C'est pourquoi même la façon dont on dispose les images, c'est un art. Une façon de disposer les images. Super. Question? Il n'y a pas de pause. On ne va pas prendre des pauses. Ce n'est pas l'école, ce n'est pas la maternelle. On va prendre la pause pour faire quoi? Pour se lever, souffler un peu. Si vous êtes fatigué, chacun se lève, il saute sur lui et puis s'assoit encore, on continue. Hein? Tu somnoles. Tu sens que tu somnoles. Tu te lèves. C'est une petite astuce. Ne te sens pas gêné. N'aie pas peur des caméras. OK. Donc là, on va voir quelques statistiques déjà pour que vous compreniez un peu. Parce que là, on est en train d'entrer dans la phase des réseaux sociaux au Cameroun. Et chacun doit avoir, l'habitude de toujours regarder ça. Les statistiques, si. Chaque année, c'est à partir de février. On dit souvent janvier, mais c'est à partir de février vraiment que c'est disponible. Donc là, on va voir les premières statistiques. C'est en anglais, ce sont les Anglais, ce sont les Américains qui font ça pour nous. Donc, en gros, au niveau du digital, on nous fait comprendre que nous sommes plus de 7 milliards d'habitants sur Terre. Plus de 7 milliards quand même, c'est pas mal. Et nous sommes plus de 5 milliards à utiliser des téléphones mobiles. C'est pas fantastique. Plus de 5 milliards de personnes, vous imaginez l'argent derrière ça. Plus de 5 milliards de personnes sont connectées avec leur téléphone portable, pas avec les machines. Moi, généralement, quand je fais la communication, la publicité, j'enlève la partie ordinateur là. Combien de Camerounais se connectent avec leur ordinateur? À moins qu'ils soient CM. Franchement. Donc la partie, en fait, plus de 5 milliards de personnes sont sur leur téléphone, sont connectées sur leur téléphone. Et puis, en fait, plus de 5 milliards de personnes ont des téléphones portables, pardon. Et puis maintenant, il y a plus de 4 milliards de personnes qui sont sur Internet. Plus de 4 milliards de personnes sur Internet. Donc, quand je fais dans du marketing digital, j'ai potentiellement 4 milliards, mais pas vraiment ça. Parce que ça englobe tous les pays, en fait. Et ensuite, il y a ceux qui sont sur les médias. Ceux qui sont actifs sur les médias. Il y a plus de 4 milliards de personnes, toujours. Donc ça. Ça, c'est très top. Et c'est sur ce site-ci qu'on peut avoir ça. Oui, à social. Donc, lorsqu'on va sur Google, ça, vous pouvez noter. Sur Google, on cherche les statistiques. Oui, à social. On peut taper, peut-être en février, vous allez taper, oui, à social 2022. Mais pour 2021, vous tapez également, oui, à social 2021. Et vous allez chercher, par exemple, le Cameroun. Vous pouvez chercher pour n'importe quel pays, hein, en fonction de sa cible. Il y a tellement de statistiques. C'est tout un document, en fait. Ça doit être pratiquement 100 pages. Si je prends toutes ces statistiques-là, on ne va pas finir la journée, en fait, pour expliquer. Donc, j'ai pris ce qui est un peu pertinent pour nous, pour que vous compreniez un peu l'importance de ces réseaux-là. Je pourrais même vous renvoyer le lien. Il faudra seulement me rappeler. Maintenant, comment ça augmente? Donc, on voit qu'entre 2020 et 2021, il y a plus 81 millions de personnes. Donc, plus 81 millions de personnes sont nées sur Terre. C'est quand même beaucoup. On accouche beaucoup sur Terre. Et puis, il y a plus de 93 millions de personnes qui ont des téléphones. Vous voyez que l'industrie de la téléphonie, ceux qui vendent les téléphones là, ils sont pas mal barrés parce que les gens sont de plus en plus intéressés par les téléphones mobiles. Les téléphones mobiles englobent les tchouons, quoi. Donc, ne pensez pas seulement au smartphone, c'est pourquoi il y a un décalage entre ceux qui sont connectés et ceux qui ont le mobile. Maintenant, il y a plus de
316 millions de personnes qui se sont connectées sur Internet. Donc, hormis de ceux qui sont nés, hormis de ceux qui sont venus sur le mobile, il y a plus de 316 millions de personnes. Entre 2020 et 2021, 12 mois écoulés, 316 millions de personnes, nouvelles personnes sur Internet. Et au final, il y a plus de 490 millions de personnes qui se mettent sur les médias sociaux. Donc vous comprenez que Facebook, c'est une grosse industrie. Seulement Facebook, c'est une très grosse industrie si on sait l'utiliser. Il y a des entreprises qui sont basées uniquement sur Facebook. Exemple, Startup Academy, c'est récemment YouTube. Mais en fait, la communication se fait sur Facebook. En fait, comment ça augmente chaque année? On voit que là, la population, plus 2%, c'est pas mal. Plus 2%. 2% sur des millions, c'est quand même déjà beaucoup. Il y a des gens qui accouchent beaucoup. On a pratiquement 1 million de personnes qui naissent au Cameroun chaque année. Et au niveau du mobile, la connexion mobile, il y a plus de 2 millions de personnes qui se sont ajoutées. C'est quand même top. Donc, beaucoup de gens sont en train d'aller sur le mobile. Ensuite, on a Internet, plus d'1 300 000 personnes. Et ensuite, les médias, plus de 600 000 personnes qui se sont connectées sur les médias. En 2022 seulement. Et je vous laisse imaginer combien de personnes créent des comptes. Parce qu'on parle de se connecter. Voyez ce que ça implique derrière. Non seulement j'ai un téléphone qui peut passer sur Internet. Je donne de l'argent à Orange, MTN ou Nextel ou Camtel. Ayant déjà donné l'argent à une marque de téléphone. Et quand je me connecte, je donne mes informations. Parce que ce que nous, on nous vend en ligne, ce sont les informations des gens sur les réseaux sociaux. Donc, je donne mes informations aux gens gratuitement. Qui a payé pour aller sur Facebook ici? Instagram, Telegram, qui a payé? Même Google, là, qui vous donne carrément l'email et tout, qui a payé? Personne, non. Du coup, c'est vous le produit. Quand vous ne payez pas, sachez que c'est vous le produit, c'est vous qu'on utilise. Parce que la manière dont vous comportez, vous donnez gratuitement vos informations aux gens. C'est pourquoi nous, on dit souvent que en 2022, quand quelqu'un réussit l'exploit de ne pas avoir un compte, de ne pas utiliser ces applications-là pour gagner de l'argent, c'est quand même chaud. Dernièrement, il y a une dame d'Assise, elle est en train de parler. Si tu as un téléphone et ça ne te gênait pas, au moins 100 000 chaque mois. Au moins, le minimum, il faut jeter. Elle était très radicale quand elle disait ça. Parce qu'en fait, si toi, tu n'utilises pas les gens, c'est toi qu'on utilise en fait. Les statistiques qu'on donne là, on a dit que nous sommes 28, nous sommes pratiquement 27 millions de personnes. On a utilisé vos données, non? Ce sont vos données qu'on prend. Quand on dit que nous sommes plus d'un million de personnes, de nouvelles personnes sur Internet, vous croyez qu'on prend quoi? On sait que Sorel vient de se connecter. Sorel est nouvelle en ligne. Il y a des processus par lesquels elle va passer. Donc, si vous n'utilisez pas Internet, Internet vous utilise. Soyez donc intelligent. Utilisez vos cerveaux. Utilisez vraiment vos cerveaux. Monsieur Aminou, ça va? OK. Le next thing. C'est Facebook. Percentage of Facebook users accessing via any kind of mobile phone. 98%. Donc, les gens qui accèdent à Facebook à travers n'importe quel type de téléphone mobile. 98%. Donc, l'autre 1% là, est passé sur l'ordinateur. Vous voyez pourquoi? Quand on fait le ciblage, on ne veut pas les gens qui se connectent sur la machine. Là, ce sont les community managers. Ils sont obligés de toucher leur téléphone. Et dernièrement, on avait aussi fait une autre statistique là où on voyait qu'au Cameroun, il y avait plus de 100 000 pages créées. Mais moins de 1000 personnes sur les trois derniers mois avaient fait les publicités. Donc, moins de 1000 pages ont fait les publicités sur les trois derniers mois. Ça veut dire que c'est un grand marché. C'est qu'on commence à dire, on fait des cours ou des formations sur les sponsoring. Ces personnes-là ne sponsorisent pas parce qu'ils ne savent pas.
ils ne savent pas sponsoriser. Et du coup, c'est une opportunité. Je veux vous faire comprendre quoi. Parfois, on veut se lancer en entrepreneuriat, on veut se lancer, on veut créer un business, on veut trop réfléchir en fait. Mais juste dans ces statistiques-là, si vous savez lire entre les lignes, il y a des business que vous pouvez créer. Il y a des business que vous pouvez créer. Au Cameroun, dernièrement, on avait une statistique avec, on avait une formation avec le docteur Claudel. On a essayé de s'intéresser aux gens qui s'intéressent au cinéma au Cameroun. On était plus de 2 millions. Plus de 2 millions de Camerounais dans les 4 500 000 sur Facebook s'intéressent au cinéma. Donc, si moi, je viens avec des CD de Jean-Michel Cancan, les trucs d'avant là qu'on suit souvent dans le taxi, ça nous amuse. Je fais des compilations de ça. Vous croyez que je n'aurais pas un marché pour vendre ça? Vous pensez sincère? Vous pensez que je n'aurais pas un marché? Je suis sûre que si je fais ça dans la salle, s'il y a des gens qui vont acheter pour rentrer le soir, aller rigoler avec les parents et tout. Donc, vous voyez un peu les opportunités. Donc, si vous n'utilisez pas Facebook, Facebook vous utilise. Le mieux, c'est que vous utilisez mutuellement. Et donc, ce n'est pas parce qu'on fait une activité qu'on ne peut pas faire d'autres en parallèle. Voilà une petite idée, une petite astuce que je viens vous donner. Parce que moi, j'ai cherché. Donc, si vous aussi, vous essayez de parcourir les statistiques, là, vous allez comprendre qu'il y a des business que vous pouvez lancer seulement à Yaoundé, en ciblant des zones bien précises. Je dis ça, je dis rien. Maintenant, vous allez utiliser vos cerveaux pour faire les recherches, pour parcourir l'application, les comprendre. OK, je veux me lancer, mon business ne fonctionne pas. En parallèle, je peux faire quoi? Après, on a encore dit quoi? Pourcentage d'utilisateurs Facebook qui accèdent via... Ça, c'est vraiment la partie des CM, la partie des informaticiens. Ça, c'est... Donc, si on peut prendre les données sur les informaticiens, peut-être nous sommes 6%. Parce que la majorité des codeurs, ils accèdent à certains sites et généralement, ils se connectent sur leur Facebook directement pour ne pas toucher le téléphone via ça. Ils touchent le téléphone juste pour tester l'application. Est-ce que ça réussit à prendre le téléphone comme il faut? Déjà, le responsiveness, c'est généralement comme ça qu'on appelle ça en informatique. Donc, on essaye de voir si l'application est responsive, mais ils ne restent pas sur Facebook sur leur téléphone. Donc, ils préfèrent se connecter à leur machine, répondre rapidement s'il y a un message. Et puis, percentage of Facebook users accessing via mobile phones only. Juste le téléphone mobile, 91%. Moi, je cherche les 91% là, clairement. Je ne vais pas venir chercher 98%. Parce que si nous sommes 100% dans la population et que 91% sont seulement sur leur téléphone, franchement, ma meilleure façon de communiquer, c'est en prenant les gens qui sont sur le mobile. Next thing. Ça, c'est une très belle statistique, surtout sur les deux premiers. Les autres, moi, je ne les connais pas forcément, je suis honnête avec vous, mais on va lire. Share of web traffic by mobile OS. OK. Maintenant, on dit share of web traffic originating from Android devices. En fait, le trafic sur Internet à travers l'Android, c'est à 84% carrément. Donc, dans le Cameroun, nous sommes encore au Cameroun, mais nous sommes toujours au Cameroun. Dans le Cameroun, il y a plus de 2,4% entre 2019 et 2020 des personnes qui utilisent Android. Maintenant, ce que vous devez regarder, c'est... Vous avez constaté qu'il y a beaucoup, il y a de plus en plus des boutiques d'Apple, de store. Regardez ça, plus 45%. Plus 45%. Donc, de plus en plus, les Camerounais s'intéressent aux iPhones. Je crois que l'année dernière, c'était dans les 16%, un truc comme ça. Mais c'est monté à 45%. Si moi, je veux me lancer dans la téléphonie, je me spécialise dans les iPhones. Déjà que Apple fait la communication pour moi, généralement, quand on achète l'iPhone, ce n'est pas forcément parce que c'est un téléphone super performant. Il y a des Huawei hyper performants. Mais c'est parce qu'ils ont déjà travaillé un certain branding. Ils ont déjà travaillé une appartenance. On sait que quand on utilise un iPhone, on est à un certain niveau dans la société. Pourtant, ce n'est pas forcément ça. Il y a des gens qui utilisent les 12 Pro, ils ont fun. Ce n'est pas vrai. Quand quelqu'un te demande parfois le prêt, il faut regarder son téléphone. Mais gars, tu veux le prêt de... Tu bannes ton téléphone. Ça te sert à quoi?
Parce qu'en même temps, ce sont des téléphones que certaines personnes utilisent pour un certain standing. Vous allez arriver dans cet environnement, c'est la majorité des personnes au top. Ils ont les derniers iPhones. Ce n'est pas pour rien. Eux, à leur niveau, ils utilisent, ils jettent tellement de bases de données. On va voir comment prendre, mettre les bases de données dans son téléphone. Ils jettent tellement de bases de données qu'à un moment, s'ils n'ont pas un bon téléphone, ce qui va se passer, c'est que quand ils vont vouloir partager des contenus, le téléphone va planter même 3 heures, 4 heures. Tout à l'heure, vous avez vu Daryl. Daryl ne met pas de statut. Bien qu'il ait, je crois, un iPhone X, il ne met pas de statut. S'il tente de mettre un statut, ça plante 3 heures. Donc, sa solution, c'est de monter peut-être 12 pour pouvoir recommencer à vivre sa vie normalement. Donc là, il se contente seulement de regarder nos statuts. Mais c'est parce qu'il a une énorme base de données. Je crois qu'il est dans les 18 000 contacts. 18 000 personnes enregistrées dans ton téléphone. Donc parfois, quand quelqu'un utilise un gros téléphone, il y a certains qui utilisent juste ces téléphones-là pour frimer, pour le plaisir, ou bien parce qu'on a trop d'argent. Il y a des familles, ils ont énormément d'argent, ils peuvent s'acheter le dernier téléphone. Déjà que dans le type de client, il y a le client nouveauté. Donc lui, tant que ce n'est pas frais, ce n'est pas nouveau, il n'est pas avec toi, il n'est pas dans les anciens stores là. Du coup, les deux statistiques là, pour moi, sont les plus pertinentes. Le reste là, moi, je ne les connais pas vraiment. Je ne sais pas qui est Kai. Bon, il y a Samsung quand même. Moins 65%. Non, de plus en plus, les Camerounais ne s'intéressent pas au Samsung. Ça veut dire que sa réputation est horrible. Qui utilise un Samsung ici? Waouh! Vous êtes en train de chuter. Et puis maintenant, les autres, je crois que Techno entre dans ça et tout. Les autres, ils sont à moins 32. Mais c'est en train de chuter, en fait, les autres téléphones. Du coup, il y a une concurrence entre... Non, quand je dis... Non, Techno est ici. Quand je dis les autres, ce sont les Windows Phone. Les Windows Phone, ils ont des bonnes machines, mais je crois que les téléphones, c'est pas trop ça. Les gens ne s'intéressent pas à ça, le système. Donc, il y a beaucoup de concurrence entre les Android et les iPhone au Cameroun. C'est en train de monter. Mm-hmm. Super. Ceci dit, des questions? Vous apprenez encore? Quelqu'un ressent qu'il a appris? Son cerveau a appris quelque chose aujourd'hui? Ou pas du tout? Il faut dire. Vous avez appris quelque chose aujourd'hui? Vous avez appris quoi? C'est notre pause. Mm-hmm. Oui. Oui. Mm-hmm. Ok. La table ici, pardon, sauver. Sauver la mise. Oui. Bon, tout d'abord, il faut dire que j'assimile que le community manager doit être quelqu'un qui doit avoir aimé ce qu'il fait. Il doit être un passionné. Une dépression, mm-hmm. Gérer les désillusions. Oui. Et tenir compte des autres dans la vente, dans la communication, dans tout ce qu'il fait. Mm-hmm. Être toujours présent, c'est-à-dire. Vendre aussi son image. Mm-hmm. Dans toute chose, il faut que la première impression doit être la très bonne. C'est pas forcément le community manager, mais je pense que pour tout le monde, on doit travailler sur sa première impression. Toujours. D'accord, c'est super alors. Donc, en gros, c'est un peu ça. Et puis, maintenant, on a commencé à voir les réseaux sociaux. Donc, the next thing, c'est dans le monde virtuel, un réseau social est un site internet qui permet aux utilisateurs professionnels et ou particuliers de partager des informations. Des informations. C'est pourquoi j'ai dit, ce n'est pas pour vendre uniquement. J'aime souvent dire que les réseaux sociaux, c'est d'abord le fun. D'abord. Généralement, quand on passe sur Facebook, c'est pour déstresser. On a une journée stressante, on est dans le taxi, on passe sur Querelle Congosso au Cameroun, qui est notre groupe de Congosso, en fait. Quand tu as besoin du scoop, tu descends un peu là-bas, tu pars rigoler, en fait. Donc, tu passes sur des pages qui vont te faire rigoler. C'est généralement ça. Et plus tu visites ces pages, plus quand tu te connectes, ce sont ces pages qui se présentent et ce sont des différentes publications qui vont toujours te faire rester et faire rigoler. Il y en a tellement de blogueurs ici au Cameroun que
on reste carrément sur leur page. Ce qui fait que quand on scroll, on s'en rend compte qu'on a déjà vu tout le reste. On a envie qu'ils publient encore. C'est ce qui arrive parce qu'eux, ils se sont spécialisés dans le divertissement, dans le fun. Et on aime beaucoup les scoops. On adore les scoops au Cameroun. Il y a même un truc qui était passé là, pardon, un buzz à la fois. Un buzz par semaine. Les gars traversaient déjà. C'est sérieux, mais c'est pour vous montrer à quel point nous, le divertissement, ça nous intéresse. Prenez la statistique de tout à l'heure sur les films, sur la comédie au Cameroun. On est beaucoup intéressé par le divertissement. Maintenant, on peut aller chercher sur d'autres pays. Quand on va toucher Facebook Ads, on va voir pour les autres pays comment ils se comportent en termes de divertissement. Est-ce que la Côte d'Ivoire fait aussi pareil? Est-ce qu'ils s'intéressent aussi beaucoup aux films comme nous? Déjà, il faut savoir quelle est la population qui est connectée sur leur Facebook. Ce qui est bien avec Facebook, c'est que les statistiques qu'ils vous donnent, c'est ça qui est ça. C'est réel. Parce qu'ils ont toutes vos informations. On sait comment vous fonctionnez en ligne. On sait ce qui vous intéresse. C'est pourquoi, si vous prenez un petit exemple, si aujourd'hui, je commence à m'intéresser au marketing digital, au community management, quand je vais me connecter, les petites publicités qui vont venir, ça sera autour de ça. Parce qu'on a analysé ton comportement, quelqu'un a sélectionné, intéressé par le marketing numérique. Et à chaque fois qu'il y aura ça, on va te présenter parce que tu es intéressé par ça et tu follow certaines pages qui font dans ça. Quand vous créez votre page, on vous demande, on vous exige de mettre la catégorie. Vous êtes en train d'aider Facebook. Quand tu mets la catégorie beauté, agro, ils savent déjà que okay, ceux qui vont venir sur la page là, ce sont des gens intéressés par l'agro. Et donc, quand on vous utilise comme ça, vous les facilitez la tâche pour gagner de l'argent. Vous aussi, vous ne les utilisez pas. Pourquoi? On doit s'utiliser. Donc, enregistrez bien dans vos cerveaux que les réseaux sociaux, ce n'est pas la vente uniquement. On va répéter pour que ça cale. Les réseaux sociaux, ce n'est pas la vente uniquement. Voilà. Donc, j'espère que ça entre bien. Ou que on n'est pas des gens qui vont venir nous dire que voilà, moi je suis seulement en train de vendre. J'ai tel produit aujourd'hui. Asso, pardon, viens. Non. Franchement, les réseaux sociaux, ce n'est pas que la vente. Il faut savoir amuser les gens. Il faut savoir entretenir les gens. Dernièrement, moi, ce que j'avais fait sur la page, quand les deux Gordo étaient en Côte d'Ivoire, ce sont eux qui me renvoient les morning motivation. Ils étaient un peu indisponibles. Comme ça passe à 7 heures, je suis partie commenter sur la page à 7 heures que chacun se motive ce matin. Mais c'était fou, les gars sont venus eux-mêmes se motiver. Parce que j'avais déjà habitué les gens à une tendance de morning motivation chaque matin à 7 heures. On habitue ses abonnés, on les éduque, c'est comme les enfants. On publie à 7 heures, on publie à 11 heures, on publie à 19 heures. On les éduque et ils savent qu'à certaines heures, il y a ça. Il y a une autre page que je follow. Ils ont un concept là, l'astuce du lundi. Le jour qu'ils ne mettent pas l'astuce du lundi. Donc, on doit le hashtag astuce du lundi. Même ceux qui mettent, ils oublient le hashtag astuce du lundi là. Il y a des gens qui vont venir commenter que mais c'est pas l'astuce. Pourtant, ce sont des contenus, juste qu'on met ça dans une catégorie genre astuce. Mais dans la semaine, ils produisent aussi des contenus éducatifs. Juste qu'on a déjà habitué la cible, ou du moins la communauté, à l'astuce du lundi. Et il y a toujours des gens qui viennent commenter. Donc, quand vous allez créer vos pages, forcément, vous allez toujours inviter vos amis. Et enregistrez bien dans vos cerveaux que vos amis ne sont pas forcément vos clients. Bon, du moins à au moins 99,9%, nos amis ne sont pas nos clients. Donc, ne vous fâchez pas quand la famille ne va pas acheter votre produit ou votre service. Quand les amis ne vont pas acheter. Vous allez créer votre page, il y a des sœurs, il y a des tantes, il y a des oncles qui vont toujours venir dire du courage ma fille, vraiment bravo et tout. Il y a toujours ça. Toujours. Mais ce n'est pas ça qui vous donne l'argent. Oui, ce ne sont pas eux. Ça dépend encore du business. Nos amis ont souvent une tendance. Moi, ça, c'est maintenant dans le contexte entrepreneurial. On a des amis qui préfèrent l'acheter au marché cher que d'acheter chez nous. Parce qu'on a refusé de casser le prix.
tu n'as pas encore entrepris, n'est-ce pas? Tu as encore les sticks, c'est encore le monde. Non, tu as encore du parcours. Parce que moi, récemment, ce que j'ai vécu, c'est je lance un projet avec des amis. Et nous sommes trois, en fait. Une, elle est partie avant en France sans nous dire. Et dans le projet, elle ne participait plus vraiment. C'était genre, OK, tu dois faire X ou Y. D'accord, je vais faire. Les délais passent, on relance. Elle ne fait pas. Et le pire, c'est que elle est devenue mon amie parce que c'est l'amie de ma meilleure amie. Donc, du coup, je l'ai une fois intégrée dans mon projet. Sauf que ma meilleure amie, elle était encore plus choquée que mon frère. Je te présente même une fille qui est mon amie. Je crois que je suis son amie. Elle n'est pas, elle ne me dit pas. Pourtant, nous sommes trois dans le projet. Donc, vous voyez un peu, le fait de se dire qu'on a des amis, on compte sur eux, ce n'est pas toujours ça. Même la famille. Est-ce que si c'est que tu vends des mèches dans ta famille, il n'y a pas des tantes qui portent les mèches? Elles ont leurs assos. Elle sait qu'elle n'a pas discuté les prix là-bas. Si toi, tu es sa nièce, tu n'arrives pas à trop casser le prix, elle n'est pas avec toi. La famille est toujours dans l'optique de nous nuire. Et surtout qu'ils ont cherché la mission là. Si elle a géré une femme, elle me fait un gâteau d'anniversaire. Il m'a contacté, il m'a dit que. Il m'a donné la photo que je réalise ce gâteau à famille. Quand j'ai donné le montant, il a divisé le montant en trois. Tranquille. Et lui, pour te narguer, le jour que tu brises, non, tu l'invites. Et tu n'invites pas n'importe où. Parce qu'il faut persévérer. Il y a des choses. Dernièrement, hier, on a vécu un truc. On était ensemble. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un monsieur, après le brainstorming, il se permet de nous inviter prendre un pot. Moi, déjà, que parfois, je me suffis trop. Surtout que quand je viens, j'ai mon temps. C'est mesuré. Donc, quand je rencontre quelqu'un qui dit qu'il veut travailler avec moi, je fais quand même genre parce que j'avais déjà ma route. On a marché jusqu'en Bougada. Déjà, je ne savais pas trop pour quel pot je partais. Et ce n'est pas comme si j'avais faim, j'avais mes courses à faire. Maman avait besoin de yaourt et il fallait que je m'arrête forcément une boulangerie. Avant ça, j'avais même déjà programmé avec une amie d'aller prendre une glace. Il nous invite à prendre un pot. Après, on arrive en Bougada. Le resto où il partait avec nous, je ne sais pas si c'était une buvette, n'avait pas d'énergie. Donc, c'est comme ça que je propose donc qu'on aille une fois à Select, à la poste, parce que moi, je dois faire une fois mes courses. Ça arrange tout le monde, vu qu'il y a des places assises et on se sépare. On dit super, je prends le taxi, je paye le taxi pour tout le monde. Oui. Je paye le taxi pour tout le monde. Et quand on descend à la poste, il insiste que le chauffeur aille nous laisser devant Select. Mais je lui dis que frère, j'ai dit poste centrale, donc ça va, on peut marcher, on a encore les pieds. On arrive, et surtout qu'on avait marché d'ici jusqu'à là. On arrive donc carrément à la boulangerie. Et ils se sont déplacés parce qu'Elisabeth était parmi. Ils sont partis vers le côté où on vend les yaourts, les biscuits et tout. Moi, je savais que je voulais la glace. Donc, déjà là-bas, je voulais aller prendre la glace avec mon ami. Je savais que je voulais la glace. Je suis restée à côté de la glace. Finalement, j'ai commandé ma glace, ça faisait 2000 parce que je ne voulais pas prendre juste un parfum. Après, quand il revient, il me pose la question, c'est combien ta facture? Je lui dis 2000. Il fait maintenant le commentaire à celle qui est à côté de moi que tu vois que quand tu ne mets pas les limites, ça va dans tous les sens. Oui, sérieux, c'est ce qu'il a dit. Et du coup, j'ai même plus envie de travailler avec lui parce que je comprends en fait qu'on vient, on se vend en tant qu'entrepreneur, on fait X, Y, on fait tel chiffre, mais tu ne peux pas te permettre d'inviter trois belles demoiselles quelque part. Et tu imposes de prendre des yaourts de 500. Oui, mais il a fait le commentaire là, et moi j'étais au milieu. J'ai compris ce commentaire, mais comme ma glace était trop bonne, j'ai continué à juger ma glace. Oui, et c'était seulement trois personnes. Genre, donc, en gros, tu nous as déplacés de ce siège, tu nous dis, tu nous invites quelque part pour qu'on échange, pour que tu retiennes nos visages. Mais quand on arrive, tu nous fais comprendre qu'il ne faut pas dépasser un budget de 1000 francs. Mais mon frère, on n'invite pas les gens à Yaoundé quand on n'a pas l'argent, hein, tranquille. Et pour rien comme ça, j'aurais dû payer sa facture. Si j'avais compris ça, je payais sa facture et je lui faisais clairement comprendre qu'on ne se comporte pas comme ça. N'invite plus les gens si tu n'as pas l'argent. N'invitez pas les gens quand on n'a pas l'argent. Non, c'est pourquoi je dis ton oncle là, le jour que tu veux montrer à ton oncle que tu te suffis. Parce que parfois, il faut montrer ça à la famille. Que tu ne dépends plus de certaines personnes.
on ne veut pas t'encourager, ce n'est pas mauvais. Donc toi qui te dis que tu as beaucoup d'amis, ils vont t'encourager et tout, c'est le film. C'est le film. Tu sais dans combien de groupes je suis? Moi, je n'aime plus les groupes. Je n'aime plus les groupes. Je n'aime plus les groupes. J'ai bloqué, j'ai paramétré mon WhatsApp de telle sorte qu'on ne m'ajoute pas dans les groupes. Donc si tu veux m'ajouter, ça te notifie. On ne m'ajoute pas dans les groupes. Où je suis, je n'ai pas encore besoin d'utiliser, d'exploiter les bases de données des groupes. Donc j'ai arrêté ça. Parce que je te lève un bon matin comme ça, une amie veut commencer son commerce, elle vous met tous dans son groupe. Je ne vais jamais acheter chez toi. Parce que la manière dont tu m'as tiré dans ton groupe, ce n'était pas bon. Ce n'était pas bon. Non, sans prévenir, c'est vraiment horrible. Hier, on parlait des listes de diffusion. Il faut savoir les utiliser. Donc, là, il est 12 heures. Maintenant, selon vous, selon ce qu'on vient de se dire, on s'est raconté beaucoup de choses. Vous avez proprement besoin de quoi? Oui. Voilà. Un community manager ne doit jamais dire « je n'avais pas la connexion ». Je n'étais pas connectée. Ma batterie était faible. Non, 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 on se déplace, on se déplace. Ce qui est bien, c'est que c'est un travail où tu es mobile, tu vois. C'est pourquoi quand on dit portable, ordinateur portable, on porte. Ce n'est pas le desktop. Ce n'est pas pour rien que j'ai mis cette image-là. Ordinateur portable, un CM doit avoir ça. Et il peut m'aller plus loin, travailler les performances, parce que tu peux être CM et développer d'autres compétences. Tout à l'heure, je vais faire une formation sur le montage. Le montage des flyers. Il y a une facilité de faire ça avec des outils en ligne, mais de façon professionnelle comme les graphistes. Je vais prendre cette formation tout à l'heure. Juste par plaisir. Hein. Juste comme ça. Parce qu'en fait, on se forme continuellement. Comme on se dit, on ne délègue pas ce qu'on ne comprend pas. Le flyer de ma formation, c'est moi qui conçois en fait. Quand je dis je conçois, je savais comment je voulais que les choses soient disposées. Et quand j'ai dit au graphiste, le premier qui m'a renvoyé, j'ai chuté sur ça parce que j'ai payé pour ça. Donc je te dis ce que je pense réellement pour qu'on arrive à ce résultat-là. Et il fallait que les couleurs de mon entreprise soient soft dessus. Donc du coup, on a besoin de quoi d'autre? On a dit les recherches d'un ordinateur portable, la connexion Internet. Un bon téléphone. Mm-hmm. Le temps, on peut le manager. Le temps, c'est une histoire de discipline. Donc, autant mieux dire la discipline. Parce qu'il y a des outils de programmation, de publication. Là, maintenant, je suis en train de... J'ai gagné 2 heures en vous donnant ces petits exercices, en fait, cette formation, parce que j'ai programmé certaines publications. Mm-hmm. Donc, en gros... Il n'y a plus autre chose. On n'a plus besoin de quelque chose. Oui, oui, les objectifs, bien sûr, c'est dans la stratégie. Pour être un bon CM. Quoi d'autre? Mm-hmm. Beaucoup, beaucoup lire. Pour la petite anecdote, moi, à un moment donné, j'ai trop lu de livres sur l'entrepreneuriat. Oh, j'ai tellement lu. J'étais tellement plongée que même quand je suis dans le taxi, si j'ai le téléphone, c'est un livre. Parfois, j'ai le livre physique parce que moi, je préfère les livres physiques. À un moment donné, tu te fatigues, tu te dis, « Ok, tous les livres, la Sorel, disent que passe à l'action. » Tu ne fais que lire, tu te cultives et puis quoi? Est-ce que tu génères de l'argent? J'ai arrêté la lecture, je suis passée à l'action. Mais maintenant, il y a des périodes blanches dans le community management. Je n'arrive pas à créer de contenu. Mon cerveau est off, même si qui vient me demander quoi, je ne suis pas apte à te dire quoi que ce soit. Et quand j'ai fait la petite analyse, j'ai confirmé que c'est parce que je ne lisais plus. Je connais beaucoup de choses dans mon cerveau, mais je ne lisais plus. Même le cerveau, il faut l'éduquer. Il faut l'éduquer. Donc, un CM doit constamment lire. Il y a souvent un proverbe qui dit comme quoi, quand tu as fini de lire un livre, même si c'est que tu as l'impression que ça ne t'a rien appris, mais au moins le français ou l'anglais qui est dedans, tu as appris. Mm-hmm. Au moins le français ou l'anglais. Moi, je ne lis pas les romans, ça ne m'intéresse pas. Ce monde de bisounours, vraiment, Roméo et Juliette, machin, truc là.
c'est pas mon fan. C'est pas mon fan. Moi, je suis pas forte, je suis pas in love de ça, je vais dire. Si un livre est dans le management, dans le marketing, dans la communication, ça m'intéresse. C'est comme ça que je suis, généralement. Mais les mondes des bisounours, là, c'est pourquoi les blogs en ligne où on parle des relations sentimentales, franchement, Lady Sonia, je l'ai beaucoup écoutée. Elle m'a beaucoup orientée, je pense que ça va. Si j'ai besoin des autres conseils, je passe sur YouTube, je tape, je vois les femmes là, j'écoute ce qu'elles disent et puis ça va. C'est un peu la facilité d'Internet, YouTube. Donc, on a besoin d'un téléphone. J'ai mis un iPhone. Vous avez oublié quelque chose. Pas forcément un iPhone, mais sérieusement, ayez des bons téléphones parce que vous allez rencontrer des clients qui n'ont pas eux-mêmes des bons téléphones et vous êtes appelé à prendre parfois des photos, parfois des mini-vidéos dans leur entreprise, juste pour animer la page. Et si vous-même, vous avez un téléphone médiocre, franchement, si vous avez un téléphone médiocre, même dans la communication, ça sera horrible. Parce qu'on parle d'avoir une machine, lorsqu'on fait un post avec sa machine, ça a plus de portée organique qu'un post avec son téléphone. Mon tout premier post sur une page, quand j'ai commencé le community management, c'était en mars que j'ai commencé. Le tout premier post que j'ai fait a touché plus de 6500 personnes de façon organique. Quand j'ai commencé les cours, les professeurs me disaient que je n'ai rien à faire dans la salle là. Parce qu'en fait, j'ai pris le temps de regarder comment eux, ils communiquaient déjà. Et j'ai fait les recherches sur ces professeurs. J'étais déjà fan de leur façon de communiquer. Et je me suis dit, OK, il faut aérer le texte. Il faut écrire comme ça. Tu mets les paragraphes, tu mets les emojis, tu mets. Plus de 6500 personnes en 2 jours. On peut encore vérifier sur ma page. Donc, parfois, on doute de ses capacités. On doute de soi. Mais pourtant, on peut faire de très bonnes choses. Dernièrement, j'ai fait un post. Parce que moi, ma page actuellement, je teste des choses. Je teste. Je mets des textes sans émojis, sans rien du tout. Je veux juste voir ce que les gens lisent vraiment. J'avais fait un post où je parlais de l'art oratoire. Je demandais aux gens, aux garçons, d'apprendre à draguer les filles. Ça va développer leur art oratoire. Et quand j'ai regardé les commentaires, j'ai vu les profils des personnes qui commentaient. Ce sont des directeurs même que je connais perso. Je me disais, ah, ils ont le temps de venir commenter, rire mes choses. Oui, bizarrement. Après, j'ai fait un autre post récemment où j'expliquais aux gens que contrairement à ce que vous pensez, vous me voyez dans les conférences, les belles robes et tout, sachez aussi qu'à un moment donné, quand j'ai démissionné, j'ai galéré. J'ai installé des caméras avec mon cousin et tout. J'ai fait ce petit post-là et un ami, le premier de ma salle, de ma promotion, il a fait le screenshot, il m'a dit que, gars, je ne lis jamais, mais ton texte, si. Je me suis arrêtée sur ça. Bizarrement. Donc moi, ma page, c'est encore la page de texte. Teste en fait, parce que je suis en train de vouloir travailler, de hausser le branding, travailler le référencement. Il y a certaines personnes qui sont venues à cette formation parce qu'ils savent que je suis CM de la start-up. Certaines personnes parce qu'ils ont peut-être vu mes statuts avec le docteur Claudel. C'est une référence. Et imaginez juste cette petite communication de Sorel, community manager, vous pouvez la contacter. Sur sa page. Il y a des gens qui ont déjà bénéficié de ça. Il y a Jacquino qui était là hier, il a fini de réaliser le NRC, mais après il a eu des marchés. Juste avec un petit post sur une page, on ne sponsorise pas. Donc en tant que CM, vous devez déjà chercher ce référentiel-là. Même si vous n'êtes pas CM, même si vous êtes entrepreneur, peu importe le domaine, même si je suis employé, à un moment donné, je vais démissionner ou alors je vais partir pour créer ma propre structure. Dans la structure, je dois pouvoir savoir quelle est la qualité qu'on met en avant. Tout à l'heure, on parlait de ça dans ton cas, n'est-ce pas? Moi-même, j'ai essayé de réfléchir. Chaque fois, je demandais ça à mon chef. Pourquoi est-ce que tu m'as choisi? Je n'étais pas forcément la plus brillante en classe, mais pourquoi est-ce que tu m'as prise? Il ne me répondait jamais. Mais après, je constate que quand il faut aller parler à une conférence, c'est moi qui l'envoie. Pourquoi il n'envoie pas les autres? Quand il faut aller présenter des projets, c'est moi qui l'envoie. Au départ, je me disais que c'est parce que je suis une femme. Mais après, il y avait une autre femme. Pourquoi est-ce qu'il partait avec moi? Parce que moi, j'avais tendance à présenter les projets de telle sorte que on vient de présenter la maquette, tu as envie de cliquer. Parce que je m'assois, je comprends le besoin du client. Si tu fais dans l'agro, si tu fais dans l'immobilier, lorsque tu veux créer un site internet, forcément, il y a certaines choses que tu veux que les gens voient. On s'asseyait pour concevoir les maquettes. Donc non seulement, je ne partais pas présenter ce que je ne connaissais pas. Je présentais un travail sur lequel j'ai travaillé et le client était satisfait.
Après, ça faisait entre les millions. Mais toi, tu ne vois pas les millions. Donc, après, il y a la carte Visa. Ça, c'est un truc que vous avez complètement oublié. Qui a une carte Visa ici? 3. Vous n'avez pas de carte? Hmm? Non, j'ai mis UBA parce qu'en ligne, quand j'ai cherché l'image, je voulais que ça ait un fond blanc, que ça n'ait pas de décalage. On n'a pas trop l'impression que ce sont des différentes images. Et pourquoi pas faire la publicité d'UBA, qui est africaine, que beaucoup de gens utilisent. Donc, je vais faire la publicité des cartes Visa qui sont en France. Pourquoi? Autant mieux parler d'UBA, que tout le monde connaît en Afrique. Et ce sont nos frères. Donc, du coup, il n'y a que 3 personnes qui ont la carte. Non, Orange Money, ce n'est pas la carte. Facebook ne prend pas votre argent derrière Orange Money. Parce que pour créer un compte publicitaire, il faut insérer son numéro de carte. C'est très important. Important. Indispensable. Qu'est-ce qui est compliqué? Ah, tu ne parles pas peut-être bien, non? Il faut bien aller. Pardon. Oui, oui, c'est quand même facile. Moi, en fait, le problème que j'avais eu, à la direction centrale, c'était les cartes étaient finies. Elle m'a renvoyé une autre direction, là, pas loin. J'ai refusé de partir. Parce qu'en fait, j'avais à développer l'affection avec la dame qui parlait avec moi. Donc, j'ai préféré revenir quand ça devait être disponible pour récupérer chez elle. Oui, oui, les émotions, elles m'avaient captivée. Jusqu'à maintenant, moi, je suis fière d'aller là-bas. Le jour que je passe, je la vois pas, c'est quand même bizarre. Justement, c'est bizarre. Donc, j'ai refusé d'aller dans l'une de leurs agences encore, qui n'était pas loin, à 100 francs de là. Parce que moi, j'étais fan de la dame qui était là. Oui. Donc, quand vous créez vos entreprises, la personne que vous mettez à l'accueil, la personne doit être belle, ça doit être une femme. Parce que les femmes ont ce don-là de captiver. Elles doivent être très courtoises, pas du tout impolies. Vous devez même investir sur sa garde-robe. Que quand elle se lève, là, même se lever, on a parlé de la communication, mais on n'a pas parlé de la communication non-verbale profondément. La communication non-verbale, il y a aussi l'habillement, il y a même la démarche, la façon de parler. Parce qu'on se dit qu'on va finir de faire la publicité, les gens vont venir, ok, c'est bon, ils prennent le produit, ils partent. Mais moi, ils ont fait tellement de communication. J'ai vu ça sur les pages des Ivano Nonino. Je suis partie à UBA parce qu'une bonne partie de ma famille sont là-bas. Ils font la communication. Mais la dame, sa façon de sourire m'a bloquée à la direction centrale. Mieux, je fais le rang. Parce que je sais que c'est une dame-là qui va me recevoir. Et encore, il y a un autre monsieur qui a été très gentil avec moi. Il me prenait même dans les couloirs. Ça va et tout et tout. Ok, j'ai tel souci, viens. Viens. Après, tu t'en rends compte que c'est l'un des directeurs là-bas. Donc, il n'y a pas cette histoire de « il faut voir avec les agents ». Oui. Ils ont ce souci-là, je ne sais pas. Mais c'est comme si les anglo-saxons, ils ont une façon de travailler qu'on devrait copier. On devrait copier d'eux. Moi, j'ai fait la session anglophone et je peux vous dire que ces gens-là, quand tu trouves quelqu'un qui est droit, il est vraiment droit. Il est bien, il fait les choses de façon professionnelle. Mais quand tu trouves un tordu, c'est l'extrême. C'est l'extrême. Chez eux, ce sont les extrêmes. Soit on est trop bon, soit on est trop mauvais. Ce sont les extrêmes. Du coup, quand vous voyez une entreprise comme ça, il y a un service client quand même bien travaillé. Peu importe ton problème, tu vas voir quelqu'un qui va se retourner vers toi et te dire « Ok, tu as tel souci et tout. » Il a le souci. Même quand tu marches même au couloir avec lui, il se retourne toujours pour voir ce que tu es derrière. C'est une culture, c'est une façon d'être. Et je pense que chacun dans sa façon de faire, que ce soit pour son business, il doit pouvoir traiter le client de cette façon. On n'insulte pas le client, même quand on a souvent envie. On n'insulte pas le client. Ok, next thing, il y a la connexion Internet. La connexion Internet. Il faut absolument ça. Je n'ai pas dit 100 mégas. Si on est CM d'une grosse boîte, vous allez parfois recevoir des vidéos. Les vidéos, là, pèsent même plus de 200 mégas. Donc, vous comprenez d'office que Orange va vous renvoyer un petit message qui vous reste 5 mégaoctets. Oups! Il y a un petit oups, là. Donc, il vous faut une bonne connexion lorsqu'on veut être en ligne.
J'insiste, même si vous n'êtes pas CM, si ce n'est que pour votre business, quand un client commande, soyez là rapidement. Si vous n'êtes pas là rapidement, il part. Vous venez commenter, moi je suis à autre chose. Je prends une tendance, dernièrement je voulais une perruque. Non, je cherchais un appartement. J'ai posé des questions à une dame. J'ai écrit en fait sur WhatsApp. Elle n'a pas répondu. J'appelle, elle ne décroche pas. Plus tard, elle revient, me bip. J'étais avec la ménagère, j'étais à Douala. J'ai seulement dit à la ménagère que je suis sûre que ça, c'est une femme. Parce que tu ne peux pas mettre ton numéro professionnel, ton numéro business en ligne. Tu viens trouver l'appel en absence, tu bip. Attention. Ne bipez pas. Ayez un budget. Ce sont des gens qui n'ont pas de budget. Quand elle a fait ça, j'ai dit, c'est une femme, je suis sûre. Et quand j'ai appelé, c'était une femme. Et j'écoutais l'enfant qui pleurait derrière. On dit, OK, c'est le genre d'entreprise que vous venez mettre en ligne, où les gens vont commencer à se poser des questions. J'ai demandé des studios dans une zone, parce que leur communication, c'était des studios dans la zone que je voulais. Jusqu'aujourd'hui, je parle là depuis jeudi, j'étais à Douala. Jeudi jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas de réponse. Par contre, il y a un autre monsieur à qui j'écris. Il a répondu dans les temps. Et ça m'a même fait ça avec une perruque. Il y a beaucoup de gens, beaucoup en ligne et tout, on part, on écrit. La personne te répond immédiatement. Tu réponds la seconde d'après d'avoir reçu le message. Elle n'est plus là. Elle revient te répondre même 15 heures après. Dès que tu réponds encore, elle n'est plus là. Tu écris à une fille de Douala. Elle t'expédie ça le même soir, le lendemain, tu as ça. Douala. Vous voyez un peu la différence dans le service. Ce n'est pas parce qu'on est en ligne qu'on doit se dire que, OK, on se limite à certaines choses. Être en ligne ne veut pas dire ne plus être sur le terrain. N'est-ce pas? Donc, il faut savoir vraiment communiquer. Maintenant, la dernière chose que je n'ai pas mise, c'est votre cerveau. C'est votre cerveau le plus important. Parce que pour concevoir les contenus, il faut utiliser son cerveau. Franchement, personne ne va concevoir ça pour vous. Si vous savez que vous ne maîtrisez pas la langue française ou anglaise, dépendant de votre contexte, ou arabe ou quoi que ce soit, apprenez. Parce qu'il y a des gens qui vont venir lire sur votre page. Il y a souvent les statistiques, le nombre de personnes touchées, ce sont les visiteurs, là, ces personnes qui ont vu. Et si c'est que vous avez tout le temps des coquilles, il faut faire relire vos textes parfois. Parce qu'on peut écrire dans un mood et on passe à côté de certaines choses. On publie directement et c'est mal perçu après. Donc, il faut toujours faire relire vos textes. Même dans la création de contenu, il y a la créativité. Hein. La créativité, je dis n'importe quoi. On peut prendre un format avec un stylo. Un peu comme je vois souvent des posts là où on prend le format, on écrit vraiment « Bonjour mon cœur, je t'ai laissé l'argent de ration, machin, bisous. » Après, on met 75 à côté. Ça fait tellement rire. En fait, le message même qui accompagne ça, j'ai 75 francs CFA de ration. Avec un petit message de bisous, je t'aime. Donc, ce type de contenu, 75 francs de ration, déjà dans la tête du Camerounais, on s'est dit, mais on prépare quoi avec 75? Et en plus, tu me mets les cœurs, tu dessines même le cœur et tout, tu laisses à qui? On porte ça, on met sur une page comme Querelle Congossa. Les gens sont fâchés, rentrent du travail, on ne les a pas payés à la fin du mois. Il va se verser sur toi. Que commence à 75? On va regarder la partie du bisou, mais la partie du bisou va nous faire rire. Mais le 75, on va s'appuyer sur ça. Donc, parfois, ce sont des contenus. C'est un type de contenu pour animer votre communauté. Mais maintenant, ça dépend du contexte. J'ai un membre ici qui était venu. Il m'a parlé de sa page. Il m'a demandé d'un peu regarder. J'ai regardé sa page. Sauf que c'est une page qui fait dans les cours de répétition, l'éducation. Et sur cette page, je suis partie trouver une petite fille. Il y a les petites filles qu'on utilise beaucoup sur Internet, là, les visages là. Elle est au téléphone, assise sur la cuisinière, en train de dire, on écrit un message subliminal comme quoi, quand tu fais le Congo ça le matin, mais babe. Je lui ai dit, ça ne passe pas, parce que les gens qui sont sur ta page, ce sont les parents d'enfants. Et les parents d'enfants ne parlent pas de babe. Donc, tu arrêtes ce type de publication. Autant mieux mettre des publications de style animation, où tu vas dire aux gens,
Tu vas par exemple dire aux gens que les premiers de la classe, là, j'espère que vous allez être président de la République. Si tu veux faire rire, mais ça reste dans le domaine de l'éducation. Par contre, quand tu parles de babe, un parent en Afrique qui renvoie ses enfants pour faire les révisions chez toi, attention, on va se demander, mais tu vas apprendre quoi à nos enfants? Donc, en gros, c'est un peu ça. C'est un peu ça. On a vu les réseaux sociaux. Maintenant, je vais vous renvoyer le lien là, pour que vous voyez vous-même les réseaux sociaux. L'exercice que je vais vous donner, chacun ramène l'exercice là et chacun va présenter ça demain. Qui sait utiliser PowerPoint? Personne. Le B là-bas. En fait, je vais faire en sorte que l'atelier, la formation soit souvent pratique. Pourquoi? C'est pour vous préparer à la soutenance. Il y a certaines personnes qui ont désisté de cette formation parce qu'ils ont vu qu'à la fin, il y a la soutenance. Donc, ils ne sont pas prêts. Oui, genre, quand on va faire des exercices, si vous pouvez passer avec votre PowerPoint, ça sera magnifique. Non seulement ça va travailler, un, votre art oratoire, deux, le stress d'avoir toutes ces lumières sur vous. Donc, ça fait beaucoup d'yeux. Et en plus, il y a des caméras qui filment. Vous imaginez un peu le stress, non? Donc, vous venez vous placer là, vous nous parlez de « Ok, le devoir, c'était ça. J'ai décidé de faire ça parce que, sans transpirer. Ok, bon, au niveau de l'exercice, en fonction de votre activité, choisissez le réseau social ou les réseaux sociaux les plus pertinents pour vous et pourquoi. Ça se résume au site sur lequel je vous renvoie, lui, à Social. Vous allez passer sur ce site. C'est tout un devoir, il faut que ce soit compliqué, la recherche. Je n'allais pas quand même vous donner les statistiques d'Instagram, Facebook, Twitter, tout le monde là. Donc, vous allez aller non seulement chercher les statistiques de tous ces réseaux sociaux-là, chercher les réseaux sociaux les plus pertinents pour votre activité et venir nous les présenter. Ça peut être un, ça peut être deux, mais il faut justifier pourquoi est-ce que vous choisissez Facebook, pourquoi est-ce que vous choisissez Insta, pourquoi est-ce que vous choisissez YouTube. C'est compris, j'espère. Je m'arrange à ce que ce soit bien compris pour qu'on ne vienne pas me dire demain que je n'avais pas bien compris l'exercice. Donc, la personne qui ne comprend pas bien me pose la question maintenant. J'explique. La première étape, j'ai parlé du site WIA Social qui donne les statistiques chaque année en fonction de l'utilisation des réseaux sociaux, en fait, d'Internet dans le monde. Par la suite, ce que je demande de faire, c'est d'aller sur ce site-là, regarder les statistiques des différents réseaux sociaux. Il y a ça. Parce que vous avez vu les captures que j'ai passé le temps à donner. Il y a ça. Et lorsque vous avez ces différentes statistiques, vous choisissez les réseaux sociaux sur lesquels vous voulez mettre votre activité et vous nous dites pourquoi. Pourquoi est-ce que je choisis Facebook? Parce que c'est rattaché à une personne. Pourtant, Startup Academy, on sait que c'est toute une communauté dont les gens se rattachent à une personne. Prenons l'exemple des Sophie, des Muriel Blanche et tout. Ça monte rapidement à 1 million d'abonnés. Parce que non seulement ce sont des actrices, elles jouent tellement avec vos émotions. Beaucoup de gens ont vu Madame Monsieur. Je crois que beaucoup de gens ont aimé Sophie. Dans Madame Monsieur, elle a tellement de fans un peu de partout dans l'Afrique. Et juste grâce à son personnage, on respecte beaucoup les Camerounaises. On sait qu'on a du caractère. Oui! Et surtout très récemment, en un rien de temps, Muriel Blanche, par exemple, elle a conçu sa communauté sur un bout. Mais l'autre, Sophie, elle est venue bâtir ça en un rien de temps. Juste avec une série. Une série qui est passée quelques jours sur A+. Vous voyez ce qui s'est passé. Parce qu'en fait, elle a généré beaucoup d'émotions en nous. On voyait cette femme-là vraiment incomprise d'un côté où il y a deux hommes, on ne sait pas quoi faire avec la belle famille qui n'est pas facile, les enfants à gérer et tout. Donc, beaucoup de femmes se mettaient à sa place et même des hommes. Et beaucoup sont partis s'abonner. C'est pourquoi je dis toujours, ceux qui sont dans la salle, ce sont ceux qui sont en ligne. Donc, ne croyez pas qu'il y a une partie qui sont en ligne, une partie qui sont... Non, non, non. C'est ça qu'on dit souvent même aussi que... Les filles, vous cherchez les gars qui sont bien et tout là. Vous cherchez les gars qui sont à l'église. C'est aussi nous ici dans les snaps. Ce sont les mêmes gens. Donc, il faut vraiment faire la différence entre la page qui est rattachée à une personne, ça grandit très vite. Ça grandit vite. Et la page qui est rattachée à une entreprise.
Moi, je suis persuadée que je commence à travailler mon branding dès janvier. Je peux traverser les 5 000 abonnés parce que je suis à plus de 1 000. Il y a même une astuce. Tu as combien d'amis Facebook? Tu as plus de 4 000. Donc, tu dois convertir ta page. Tu dois convertir ton compte en page. Ça va te faire gagner environ 1 000 abonnés sans travail. Tu vois, je vais te montrer comment faire ça, oui. Le freelance, c'est déjà je suis free et je lance. Travailler à son propre compte, en fait. Moi, je suis freelance. Je travaille à mon propre compte. C'est vrai, je gère la page de la Startup Academy, mais je ne suis pas employée. Vous voyez un peu. Donc, je peux être ici. Je travaille sur la page. Et je suis ici régulièrement parce que c'est aussi l'espace de coworking pour les membres. Donc, je peux recevoir des gens un peu comme je fais cette formation ici. Mais après, j'ai d'autres entreprises avec lesquelles je travaille. Je me lève, je porte mon sac, je pars. Ça veut dire que quand quelqu'un qui propose. Oui. Le freelance est un peu comme cet entrepreneur seul. Un auto-entrepreneur, il est encore seul, il n'a pas encore vraiment de boîte, donc il est en train de. C'est une start-up ambulante. Le freelance est vraiment la start-up ambulante. Dans un domaine d'activité bien précis. Oui. Donc je peux être freelance graphiste. Mm-hmm. Non, 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 ça ne fait pas. Le problème avec les freelanceurs ou du moins les entrepreneurs, c'est qu'on veut faire dans tout. Samedi, j'étais à une conférence à Bastos. J'ai rencontré un ancien camarade. Le gars s'est présenté en tant que tout. Même quand les gars se présentaient, ils disaient que moi aussi j'ai fait dans ça. Et c'est mauvais pour votre référencement. C'est très mauvais. Quand vous partez, vous êtes invité sous une casquette, restez sur cette casquette, quitte à ce que les gens viennent vers vous, échangent, et c'est là que vous allez dire, je fais aussi ça. Et même en marketing, il y a ce qu'on appelle le produit d'appel. Ce n'est pas parce que je vends tout que je vais mettre tout en ligne. J'ai un produit d'appel, ce qui va attirer les gens vers moi. Et derrière, je propose des complémentaires, des produits complémentaires. C'est pourquoi parfois quand on arrive à la boulangerie, on peut casser le prix du pain. Il y a certaines choses qu'on casse. Ils récupèrent ça sur des trucs complémentaires. On sait que si vous achetez du pain, vous avez besoin du chocolat ou du lait. On augmente le prix du chocolat. Il faut faire l'analyse. Partez dans les supermarchés, vous allez voir. Les rayons qui sont où votre main peut toucher rapidement, ce sont ceux qui payent le plus cher. Pas ceux qui sont en haut, pas ceux qui sont en bas. Ceux qui sont au milieu. Maintenant, c'est que vous voulez ce qui n'est pas très cher, genre des promos. On a cassé les prix. Regardez en bas. Donc, ce qui va te faire les achats seulement comme ça. Il faut savoir. Parce que où la main passe facilement, plus c'est facile pour vous, plus la personne qui se positionne là, c'est cher. C'est cher. Même quand vous allez entrer dans un supermarché, vous allez voir une entreprise qui a juste son enseigne. Ils ont payé plus cher que tout le monde là parce qu'ils sont venus déposer leur branding. C'est un peu ça le supermarché. On vient juste, on vous donne des positionnements. On a déjà bâti une communauté. C'est un peu comme ici au Cameroun, il y a Dove. Dove, juste le bâtiment, on sait que c'est eux. Juste le bâtiment, même quand ils sont en construction, on sait que c'est eux. Ça fait partie de leur branding, c'est leur façon de communiquer. Même le jaune là, ce n'est pas anodin, le jaune c'est d'abord la joie. Mais après, quand on voit un plastique jaune à distance, on sait que c'est Dove. C'est où les autres n'ont pas trop bien réussi. Parce que c'est vrai, Santa Lucia, il y a du rose, mais ce n'est pas flashy, flashy à distance comme le jaune. Donc même dans la communication, dans la livraison de tes poulets, tu as déjà, l'emballage, tu as trouvé le branding. Ça arrive quand? Ça arrive quand? Dans la salle, si tu nous dis que tu vas avoir les emballages quand? Tu vas avoir l'argent quand? Avant l'argent, il faut les objectifs. Parce que quand tu vas te fixer les objectifs, j'ai ce problème avec elle. Quand elle a commencé avec ses amis. Et on était à la maison, elle me dit que j'ai mon ami, là, il va faire le logo. Son ami l'a duré. On attend le logo. Il nous dit comment il est occupé. Et il prend le logo, mon graphiste fait. On appelle le graphiste là. Elle expliquait comment vraiment... C'est la livraison de poulet.
on peut acheter ton poulet au marché. Tu vois, je veux que ce soit rapide parce que c'est la livraison express. Si le poulet peut même sortir du panier, j'avais le coup qui sort. Elle expliquait beaucoup de choses. Ce que le gars a compris, c'est que on veut livrer des poulets frais et ça doit être rapide en fait. Il a carrément dessiné le poulet sur la moto. Genre, le poulet se livre seul. Et il nous a livré le logo là rapidement. Et il y a des gens qui sont venus dans son eBay juste pour ce logo. Parce que c'était créatif. Donc, de quoi dire que parfois on veut se lancer dans des projets avec nos amis, mais ça traîne. On crée des groupes de façon inutile. Et puis on voit que ce n'est pas trop ça. Donc, il faut vraiment orienter sa communication. Et ça commence, le branding commence par le logo, sa charte graphique. Vous devez avoir des cartes de visite. J'avais fait un post pour une page gabonaise là que on ne donne pas son numéro avec la bouche. Parce qu'il y a des gens, parfois tu viens, prends mon numéro, 6. C'est pas pro, c'est vraiment pas pro, on rigole mais c'est pas pro. Ou encore, celui-là vient te donner son téléphone, tu vois l'écran cassé. Genre la glace est déjà cassée, c'est une mauvaise commande. Parce que moi, ce que ça renvoie, c'est que tu es quelqu'un qui ne soigne pas déjà ton apparence. Tu es négligent et de plus, tu ne peux pas avoir l'argent pour payer mes services. C'est ce que ça renvoie. Donc, on simplifie certaines choses, mais ça renvoie d'autres messages. La communication non verbale, et c'est le cerveau, on ne contrôle pas ça. C'est le néocortex. C'est, à ce moment-là, c'est le néocortex qui pense. Et on nous a dit, on ne veut pas toucher le néocortex quand on parle aux gens. Donc, en gros, c'est un peu ça. Est-ce que vous avez des questions? Moi, je pense qu'on a fini pour la session d'aujourd'hui. Des questions, des préoccupations. Je ne veux pas les gens dans mon eBay. Je suis occupée. Donc, si vous avez des questions, des préoccupations, c'est le moment. Raquel, tu es calme depuis. Je ne te sens pas. Tout va bien. Tu es sûr? Eric, ça va? OK. Pas de questions. Mireille? Ok. Donc, ceux qui n'ont pas de page, dans ton contexte, tu as dit que tu n'avais pas de page sur laquelle communiquer. Dans ton entourage, tu n'as personne qui n'a de page. T'es sûr? Est-ce que tu as envie de mettre ton projet, en fait, c'est quoi? Ok. Parce qu'il faut réfléchir vite. Hein. Avant demain. Parce que si c'est que tu n'as pas de personne et que peut-être ton projet... Tu veux te lancer dans un projet, ça serait intéressant de quand même déjà créer la page et voir comment ça fonctionne. L'entrée de jeu. Sur les 10 jours, tu vois comment ça fonctionne. Le bon côté, c'est que vous allez avoir la formation enregistrée. Donc, ce qu'on dit, ça va rester. Mais il faut pratiquer. Il ne faut pas toujours attendre que ce soit enregistré ou alors noter, comme Raquel a déjà fini d'écrire là. On ne sait pas ce que j'ai écrit depuis. Vous notez comme ça ne va vous servir à rien si vous ne pratiquez pas. D'ici là, bah. Oui. Mm-hmm. Tu crées ton profil là, parce que tu vas pas forcément aller créer. Tu as un compte au nom d'Elisabeth. Fleurette Lisa, c'est vendeur. Non, nous sommes tous dans la salle. Fleurette Lisa. Fait dans le community management, c'est vendeur. Et en plus, c'est même pas ton nom. C'est ton nom. Tu t'appelles Fleurette, tu t'appelles Lise, tu t'appelles Flore ou Fleurette. Ce n'est pas ton nom en fait. C'est ce que je suis en train de dire, que c'est pas vendeur. Je veux comprendre un truc, c'est encore le compte ou bien c'est déjà la page? C'est le compte. Ok, tu veux devenir community manager. Tu veux créer une entité, genre une entreprise autour de toi. Sauf que tu n'as pas encore un nom. Un peu comme chez moi, c'est Snicom. Mon entreprise, c'est Snicom. Mais tu n'as pas encore ça. Tu commences à communiquer sur ta personne. Donc, tu dois créer une page ou du moins convertir. Tu as combien d'amis Facebook actuellement? 3000. Tu dis juste 3000. Tu sais qu'il y a des gens qui n'ont pas 500 amis. Juste 3000, comment? Non! Non,
la limite sur le compte. La limite, c'est 5 000. Donc, tu as traversé la moitié. Tu as combien? Tu as 60%. Et tu nous dis juste, dans la salle, tu as 5 000. Donc, toi, tu es parmi les gens qui commencent souvent à supprimer certaines personnes. Oui, il faut convertir vos comptes en page. Parce que ce qui se passe, c'est que quand vous appartenez à une communauté, un peu comme la Startup Academy, vous rencontrez les gens chaque jour. Chaque jour. Et ces gens-là veulent devenir vos amis. Et il y a les amis inutiles. Donc, vous balayez un peu. Par contre, quand tu crées la page, la personne like ce que tu fais, pas s'abonner vraiment. Je n'ai pas le temps de venir accepter ton amitié. Vous voyez un peu. Donc, premièrement, tu dois faire comme elle, investir dans le branding. Et quand je parle du branding, c'est pas la blague. C'est genre, tu dois être pimpante. Surtout les femmes, quand vous faites dans ça, il faut être pimpante parce que le community management, c'est la communication. La communication. Et quand on parle de communication, on est toujours sur le non-verbal. La première chose, quand vous regardez quelqu'un, même quand vous draguez une femme et tout, ce qui vous attire, c'est d'abord le physique. Et le physique, c'est pas... C'est en fait son accoutrement. C'est ça qui vous attire. Donc, c'est la même chose en business. C'est la même chose en entrepreneuriat. Je sais que je peux confier mon dossier à X ou Y parce que déjà, c'est soigné. Donc, si elle prend la peine de s'habiller comme ça, si elle prend la peine de se soigner comme ça, ça veut dire que même au niveau du travail, elle soigne. Psychologiquement, mais on a vu le cerveau. Donc, le cerveau aime souvent causer avec lui-même. On ne sait pas trop pourquoi, mais c'est comme ça en fait. Donc, quand vous voulez faire bonne impression, vous allez un peu poireauter hein, les premiers mois. Vous allez poireauter. Et l'astuce même pour avoir les clients, c'est de participer à des forums. Quand je parle de forum, il peut y avoir des conférences, il peut y avoir... Moi, j'ai investi, bien que je sois CM, souvent je suis butée sur certaines choses. Je vois une formation, je paye, je pars. Parce que ce qui m'a amené à Bastos samedi, c'est parce que je suis passée une formation, j'ai payé 15 000. Et cette femme-là, elle m'a juste dit, « Ok, j'aimerais que tu viennes parce que j'organise X ou Y. » Et je suis partie là-bas, j'ai 3 personnes qui m'ont payé les vidéos. Donc après la conférence, j'ai fini de prester. Et puis, des gens étaient bluffés, d'autres personnes sont venues, « Ah, j'aime bien ton éloquence, j'aime bien. » Mais par contre, il y a d'autres personnes qui sont venues, « Ta formation, là, ça m'intéresse, mais je n'ai pas l'argent, je n'ai pas... » Bah, si tu n'as pas l'argent, il y a la vidéo. Il y a la vidéo. Mais maintenant, il y a les sorciers qui réussissent quand même à te dire que dans la vidéo, il y a les certificats. Il n'y a pas les certificats. Parce que qu'est-ce qui va me certifier que tu as vraiment travaillé comme il fallait? Je n'ai pas le temps maintenant, c'est que tu veux cet accompagnement-là, ça coûte encore plus cher même que la formation aussi, parce que si tu es encore à distance, il faut que je me connecte une certaine heure pour travailler avec toi. Ça coûte plus cher que vous. L'accompagnement, ça coûte plus cher. Le consulting en community management, c'est la tension. Quand on te prend en consulting sur une entreprise, tu t'assois bien. C'est ça qui paye en fait. C'est ça qui paye que de gérer les pages des gens, c'est même pas payé. D'autres pour décourager. Pour décourager. Cham a répondu à ta question. Pour décourager. Pour décourager. Moi, je dis, on a besoin des community managers. Vous avez vu la vitesse à laquelle les gens se mettent en ligne. Et beaucoup ne connaissent pas les réseaux sociaux. Ils savent qu'ils peuvent toucher les gens sur les réseaux sociaux, mais ils ne les connaissent pas. Donc, moi, en tant que CM, je me fixe des objectifs SMART. J'ai 3-5 mois. Je suis entrée à la Startup Academy en fin février. Donc la promotion là. Mais parce que moi j'avais mes objectifs, aujourd'hui je peux gérer la page. Aujourd'hui je peux dire que j'ai fait mes premiers échecs ici. Genre j'ai perdu de l'argent ici à l'intérieur. Je peux également dire que j'ai beaucoup gagné ici. Et aujourd'hui je suis en train de vous former. Ma formation en CM, je l'ai commencée en fin février également quand j'entrais à la Startup Academy. Aujourd'hui je vous forme. Parce que je passe mon temps à pratiquer ça. Même quand je suis dans le bus pour partir à Douala, j'ai mon PC. J'ai envie de mettre les contenus. C'est pourquoi je cherche les agences où on n'est pas serré. Où je sais qu'à côté là, il n'y aura pas quelqu'un qui dort, qui fait un truc. Je peux poser mon sac et j'ai ma machine tous les jours. Donc il faut déjà savoir ce que vous voulez. Moi, avant de faire informatique, je me demandais quel est le métier que je peux faire dans ma vie qui, un, ne va pas m'envoyer en brousse. 2, ne va pas me rendre immobile.
3, je ne vais pas travailler sous le soleil. Et quand j'ai réfléchi, j'ai vu que l'informatique, tu as besoin de t'asseoir, tu as besoin d'un PC, tu as besoin d'être où il y a la connexion Internet. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée là-bas, bien qu'il y avait les orientations familiales. Mais c'est comme ça, en fait. Moi, je suis partie de ça. Je ne voulais pas les métiers où je vais aller travailler en forêt ou pour rien comme ça. C'est pourquoi je ne veux pas être fonctionnaire. Ça ne m'intéresse pas. Les concours de l'État ne m'intéressent pas du tout. C'est mon choix, c'est mon positionnement. Je suis arrivée à un niveau où je peux dire en famille que vos bourses d'études, là, ça ne m'intéresse pas. Si tu veux m'aider, aide-moi à lancer mon projet. Si tu ne veux pas, reste tranquille. Mais ne me dis pas que va faire le concours de l'ENAM. Ça ne m'intéresse pas. Parce qu'il faut comprendre sa personne. Tu vas aller faire le concours là, après, ça ne va pas bien se passer pour toi là-bas. Parce que déjà, ton mental n'était pas préparé pour ça. Ça ne cadre pas. Et du coup, beaucoup de gens tombent dans ça. C'est pourquoi on arrive dans des bureaux, nous sommes mal servis. Oui, nous sommes mal servis parce que les gens font ce qu'ils n'aiment pas. Par contre, quand tu fais ce que tu aimes, plus tard, j'ai pu comprendre que moi, j'aime être en communion avec les gens. Partager comme ça avec vous, c'est mon bonheur. Hein. C'est mon bonheur. Et je peux encore faire ça comment? Avec le digital. On s'oriente, simplement. On fait ce qu'on aime. C'est pourquoi parfois, quand je parle, il y a des gens qui reviennent me dire, ça se sent que tu es passionné. Parce que je prends des exemples concrets que moi, j'ai eu à toucher. Un peu ça. Je m'appelle Sorel. C'est free. Oui, oui, je comprends ça. Quand quelqu'un est déjà placé devant. Oui, oui, ça se comprend, mais. C'est le Dieu. Oui, oui, il faut vraiment. Il faut... Oui, par curiosité. Elle est venue par curiosité. Effectivement. Donc, la question. Investir dans le branding. Oui. Investir dans le branding, en fait, le branding, simplement, c'est comment on perçoit votre entreprise ou votre personne. L'apparence, en fait. Quand je parle d'apparence, si on doit prendre des photos shooting de vous, ça veut dire que vous êtes bien coiffé, vous êtes bien habillé, vous êtes bien maquillé, par exemple. C'est tout ça, en fait. Le branding, même, ça peut être, j'ai une entreprise, je me couds un gant, je brode le nom de mon entreprise dessus. Il y a plusieurs types de communication. En fait, c'est la valeur perçue. C'est pourquoi, parfois, on voit certaines actrices-là, elles sont toujours pimpantes en ligne et tout. Le jour qu'on les voit sur la moto, on dit que non, c'est tout ça. Mais elle a travaillé sur sa valeur perçue, en fait. Mais ça va plus loin. Elle se rassure même qu'on ne la voit jamais sur cette moto. Donc, je me donne un style de vie. Moi, je vais dire, c'est un style de vie, c'est un mode de vie. Et quand on se donne un style de vie, ça attire une catégorie de personnes vers soi. Ça, c'est par expérience. Une catégorie de personnes vers soi. Je crois beaucoup en la loi de l'attraction parce que jusqu'ici, ça m'a toujours aidé. Ça m'a toujours été favorable. Beaucoup de gens vont se dire, j'ai un côté relationnel très fort. Mais en fait, je travaille ça. J'attire ce que je veux vers moi. Simple. Et vous pouvez le faire, ce n'est pas sorcier. C'est psychologique. Tranquille. Merci. Même elle. Il y a une dernière, j'ai fait la messe. Oui. Et je sors. Parce qu'il y a une, elle était venue à ma messe, elle m'a dit que c'est parce que c'était moi. Elle ne connaissait même pas le thème. Et la personne qui me dit, parce que je suis le docteur le plus fort en
Oui. Le siège. Mais quand vous avez dit qu'on vous a dit, oui. La page. C'est une référence. Quand vous voulez devenir CM, il faut travailler ça. Vous voyez, alors il y a certaines personnes qui cherchent ce référencement-là. Même en tant que CM, on peut faire du sacerdoce. Hein. On peut faire d'abord du gratuit. Moi, il y a Grâce Divine, la présidente de College NC. Depuis, elle me voyait, j'étais genre, on mangeait ici à la cuisine et je fuyais toujours parce que j'étais surchargée. Je suis arrivée là-bas, basse-moi, elle me dit que Sorel, donc tu refuses de faire ma communication. Elle était très sérieuse. Je lui ai dit, ouais, je vais faire. Rapidement. Parce qu'en fait, souvent, il faut faire du gratuit pour comprendre par derrière que je suis en train de travailler mon référencement. Parce que vous, les nouveaux CM, la personne qui va vouloir, ou bien quand vous allez vouloir travailler avec un client, il va vous demander ce que vous avez réalisé. J'ai plusieurs pages que j'ai à gérer. J'ai même la mienne où j'ai généré mes premiers 1000 abonnés. Je peux prendre ces exemples-là. Mais pour couper court, je te dis, je gère la page de la Startup Academy. Tranquille. Maintenant, si tu veux mon CV, je comprends que tu ne veux pas travailler avec moi. Parce qu'en fait, un CM ne se juge pas sur le CV. Je vais écrire beaucoup de choses que je sais faire là. Mais par contre, le CM se juge sur la stratégie marketing qu'il va vous donner, de 1, et de 2, la façon dont il communique. D'où on voit le planning éditorial. Le planning éditorial que l'on va voir, je pense, demain ou après-demain. Là. C'est l'une des choses qui montre que c'est réellement un CM. Il doit vous proposer ça, absolument. S'il ne vous propose pas ça, faites attention. Il doit vous dire comment il doit communiquer. Moi, je ne peux pas communiquer pour une entreprise qui a plus de 10 employés. Et sur la page, quand je fais le post, il n'y a même pas 10 likes. Tous les employés, là, tous tes employés doivent venir liker. C'est l'obligation. Parce que Facebook va étudier ça. Les premiers likes, c'est comme ça qu'ils vont voir que c'est intéressant, le contenu est pertinent. Ils peuvent montrer à plus de personnes. Donc, si je fais le post, moi-même, je ne like pas. Il y a certains CM, ils finissent de mettre le post, eux-mêmes, ils ne battent pas like. On ne voit même pas un like. Donc, même toi-même, tu n'es pas d'accord avec ce que tu racontes. Tu likes d'abord. Tu blagues même les autres pages que tu gères là. Tu viens liker même encore le post là avec. Mais il ne faut pas faire ça régulièrement, sinon Facebook va te bloquer. Parce que quand tu te comportes trop comme le robot en ligne, on te bloque. Qui a un compte bloqué ici? Ok, vous êtes encore nouveau. Mais on va bloquer vos comptes, qu'ils vous disent déjà. C'est mieux de vous dire maintenant, on se prépare. Les gens qui ont leur compte avec des noms qui ne sont pas leurs noms, allez modifier vos noms dès ce soir. On ne veut pas, on ne se lance pas en ligne quand on n'a pas son nom professionnel. Si le nom là n'est pas sur ta CNI ou sur ton passeport, va modifier. Sinon, quand on va bloquer, tu vas plus récupérer ça, c'est bon, tu perds le compte. Qui n'a pas son bon nom ici sur Facebook? Ok. Tu veux gérer les pages des gens? Toi-même, tu as les noms des charmantes bio. Bravo. Donc, allez modifier vos noms Facebook rapidement. Parce que tout le monde ici, quand vous allez commencer les publicités, on va d'abord bloquer vos comptes. On va bloquer vos comptes. Et Facebook prend une information cruciale. On cherche à savoir si c'est vraiment vous. Et pour justifier ça, tu renvoies ton passeport ou ta CNI. Pas tout le nom. Tu t'appelles Ladifetou Sangou. Il peut avoir Ladifetou Sangou, tout simplement. Moi, j'ai 4 noms. Je peux jouer. C'est pourquoi j'ai 2 comptes Facebook. J'ai le compte que j'ai créé au secondaire, l'autre que j'ai créé au supérieur. C'est pour le secondaire qui gère les pages des gens. Pour le supérieur, c'est ma page, c'est mon compte tranquille. J'ai ces 2 comptes-là, en fait. Et tous les 2 comptes ont mes noms. L'autre, c'est Sorel Nyoma. L'autre, c'est Julienne Sorel. Parce que je m'appelle Nyoma Julien Georges Sorel. Donc, je peux encore créer un autre compte avec Georges même. Oui, il faut jouer avec vos noms. Facebook veut seulement se rassurer que ce que tu écris, il y a ça quelque part sur eux. Quelque part sur la partie où on a mis nom et ils ne sont pas bêtes. Tu ne vas pas aller mettre Latifet ou Yaoundé et puis voir qu'il y a un décalage, il y a Yaoundé, Tchena, Yaoundé quelque part en bas. Non, tu mets ton nom. Donc, vivement, je vous invite
allez modifier vos noms dès ce soir. Parce que ça prend généralement effet dans les 14 heures. Ils ont souvent un décalage là. Mais allez déjà modifier vos noms. Parce que quand on va commencer la publicité, on va vous bloquer d'abord. Et pour débloquer, vous allez juste suivre la procédure et filmer votre carte, renvoyer. Simplement, c'est par là que ça commence. Qui a déjà fait la publicité ici? Sponsorisé. Tu parlais de quelle publicité? Mais tu as sponsorisé non sur le boost, non? Tu as boosté quand même. Tu n'as pas payé. Oh, tu as juste posté. Mais poster, ce n'est pas la publicité. Comment je parle de publicité, surtout dans notre contexte de community management, c'est le sponsoring, c'est le boost. Mm-hmm. Entre le sponsoring et le boost. Ce sont des synonymes, c'est la même chose. Ce sont des synonymes. Les Anglais, ils ont beaucoup de noms qui veulent dire la même chose. Poster, mettre en ligne. J'ai écrit, ça passe en ligne, vous voyez et tout. Mais booster, c'est faire en sorte que plus de personnes voient en ayant mis de l'argent. Mm-hmm. OK, autre question, j'ai libéré les gens qui veulent rentrer. Donc d'ici là, je vous remercie pour votre aimable attention. Et voilà, avec un petit cœur. Donc on se reprend demain, j'espère être là. Parce que j'espère que vous serez là aussi pour vous.